Niao les amis, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous l'après-midi, les lives du salon avec notre premier invité, Maître Mohamed Ziane. Voilà, on y est, on va accueillir aujourd'hui une personne exceptionnelle. Alors, ça va commencer dans quelques instants, dans quelques secondes, dans quelques minutes les amis, mais avant tout, comme d'habitude, une petite mise en place technique s'impose. Voilà, on y est. Comment allez-vous les amis? Est-ce que vous êtes prêts pour ce live d'exception, ce direct d'exception avec Maître Mohamed Ziane qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation? Bonjour Salsabil, bonjour à tout le monde, j'ai vu le live d'hier, c'était super, Allah ibn al-Haq. Ben écoutez, c'est une continuité, une suite du live d'hier si vous voulez, mais en français, et spécialement on va parler avec Maître Ziane uniquement, car il mérite une invitation à lui tout seul, ce grand personnage, ce grand homme qu'il est. Alors... Alors aujourd'hui, ok pour le son les amis, vous m'entendez bien? On va faire un petit cadre sympathique, parfait. Alors aujourd'hui, nous recevons comme premier invité dans notre nouvelle émission, les lives du salon, personnage prestigieux. Ô combien charismatique, qui a marqué l'histoire du Maroc et qui continue de marquer au fer rouge l'actualité de son empreinte unique d'avocat, d'homme politique et surtout de dissident, qui a toujours été au service des opprimés. Je veux parler bien évidemment de notre invité, Maître Ziane, ancien ministre des droits de l'homme, premier ministre, ayant démissionné de l'histoire du royaume, bâtonnier, avocat superstar. Les superlatifs nous manquent pour définir cet homme hors du commun. Pas plus tard que tout de suite, nous allons appeler Maître Mohamed Ziane pour commencer cet entretien qui devrait être historique. Et je vous prierai les amis de noyer de cœur le chat pour l'accueillir comme il se doit. Alors des cœurs un maximum, les amis. Pour appeler Maître Ziane et l'accueillir comme il se doit. On est ensemble pour au minimum deux petites heures. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui? Est-ce que vous Allô. M'entendez bien? Maître Ziane est avec nous. Pardon, oui? Oui, bonjour. Maître Ziane, vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends, Monsieur Adnan. Ah, je vous entends. Parfait, parfait. Nous allons arranger un petit peu la technique. Je pense qu'on est OK. Je demande à la régie si tout est OK avant de commencer. Voilà, ok, d'accord. Lequel? C'est parfait. Je pense qu'on est ok. Très bien. Alors, Maître Ziane, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, première question, est-ce que vous allez bien? Oui, non. Je ne peux pas aller mieux. Hein. Bon.
Tout étant relatif dans la vie, oui, je me porte très, très bien. De toute façon, je voudrais avant vous remercier de m'avoir invité et d'accepter de m'écouter, de me donner une chance de convaincre. Car rien ne sert de vaincre si on n'arrive pas à convaincre, hein. Tout à fait. Ben écoutez, si vous le voulez bien, on aura un entretien sur trois thématiques bien distinctes. Tout d'abord, nous parlerons de vos affaires en cours qui ont enflammé le royaume ces derniers jours. Nous ferons en deuxième partie le tour de l'actualité. Et pour finir, nous évoquerons vos projets pour le Maroc. Et par la même occasion, nous essaierons d'en connaître un peu plus sur l'homme, Ziyane, qui se cache derrière le personnage public. Alors, les abonnés pourront bien évidemment poser leurs questions tout au long de l'entretien. Je me ferai un plaisir de piocher parmi celles qui me semblent les plus pertinentes. Donc, merci de rester courtois et surtout de poser vos questions en rapport avec la thématique abordée. Donc, ma première question, sans grande surprise, concerne ce qu'on appelle sur Nihao TV le Ziyan Gate. Alors, Chouf TV, le média à sensation et au service de l'État, bien connu de tous, a récemment publié une vidéo de vous, nue, accompagnée d'une de vos clientes, Madame Wahiba. Que cette vidéo soit un fake, comme vous le défendez, ou qu'elle soit vraie, n'a aucune importance dans le sens de ma question. Le sujet est dans la tentative de destruction qu'a opéré Chouf TV à votre égard, qui, d'après vous, se cache derrière cette ingénierie maléfique. Et comment expliquez-vous que les autorités n'ont pas fermé cette chaîne ni mis en examen son directeur, Driss Chartane, qui semble perpétrer ces crimes, on va dire, en toute tranquillité? Donc, la question, qui se cache d'après vous derrière cet ingénieur maléfique? Et pourquoi Driss Chartane est toujours en liberté et Chouf TV émet encore? Voilà, la réponse est très simple. Je crois que l'officier de police, Wahib Khachich, a brillamment répondu hier à Dunia Filali dans l'entretien qu'elle a fait hier nuit. Enfin, c'était 1 h du matin au Maroc. Je ne sais pas quelle heure il était en Chine, mais c'était le début de la journée à San Francisco. C'est très clair, hein, l'impunité ne peut venir que de ceux qui peuvent vous la garantir, hein. C'est pas moi qui pourrais vous garantir une impunité au Maroc, ni vous non plus, hein. Celui qui peut vous garantir l'impunité, c'est celui qui a le pouvoir de vous poursuivre, le pouvoir de vous condamner, le pouvoir d'appliquer la réglementation et la loi à votre égard. Donc, c'est clair, comme elle a dit, c'est clair, hein, qui est derrière cet instrument, qui est un instrument d'État. C'est malheureux. Paf, je ne sais pas, vous savez, dans l'histoire, il y a toujours il y a toujours eu des bas-fonds. Je me rappelle très bien dans dans l'affaire Bombarka, on avait derrière ça ce qu'on appelait le développement par le bordel, hein. On a vu des Français revenir au Maroc et se voir attribuer des licences pour ouvrir des bordels avec l'importation de femmes outre-Atlantique ou là outre-Méditerranée, j'en sais pas très bien. Aujourd'hui, on peut dire, je sais pas, il y a le développement par le porno, là, la politique par le porno, comme il y a eu la politique par le bordel. Bon. Si encore on croit à ces choses-là en 2021, enfin la veille de 2021, c'est qu'on n'a rien compris à l'évolution de l'histoire contemporaine, hein. On n'a rien compris, on n'a vraiment rien compris. Vous savez, moi, mes fesses, si ça peut résoudre un problème quelconque au Maroc ou dans les relations internationales, ou si avec mes fesses, on peut encore trouver le moyen de convaincre la France d'ouvrir un consulat de Dakhla, je suis prêt à démontrer publiquement. Eh bien, écoutez, pourquoi Le pas? ridicule, parfois, ouais, le ridicule. Le ridicule atteint un sommet, une proportion, je sais pas, même le ridicule est devenu une caricature chez nous et c'est malheureux. Voilà ce que je peux dire.
Je représente Chouf TV au niveau de la pensée, au niveau de l'analyse, au niveau de l'information. Et sinon, rien du tout, Marc, vraiment rien du tout. Mais maintenant, il y a des gens qui aiment les scandales, les culs, les histoires des amoureux ou des faux amoureux, les crimes, les passions, les adultères, enfin, je ne sais rien, tout ce qui ne me regarde pas du tout. Mais revenant à la cassette, aux images qui ont été publiées, il faut cesser de dire que Chouf TV a publié de moi, en compagnie de ma cliente Wahiba Kharchich, des nus ou là, des images, même si on finit la phrase par des images trompeuses, ce n'est pas vrai. Chouf TV a tout simplement publié un film des images qui ne veulent rien dire du tout, en indiquant comme titre Ziyen et l'officier Wahiba. Il ne le prouve pas, il faut comment prouver que c'est moi, il faut qu'il prouve que c'est Wahiba, il faut qu'il prouve... Bon, de toute façon, il dit que c'est passé dans un bordel, grâce à Dieu, malgré mon âge avancé, malgré mes passions pour la vie, je n'ai jamais fréquenté les bordels ni les prostituées, et il ferait mieux de se respecter. Pas lui, que ce soit Chouf TV, Chouf TV, pour moi. Ceci dit, Chouf TV n'est pas un tribunal. Quelle que soit la situation, quel que soit le cas. Ce n'est même pas un site. Chouf TV n'est rien du tout. Chouf TV, c'est quelque chose qui a remplacé Hamza, mon bébé, quand il y a eu le procès de Marrakech, qui a mis en évidence cette intrigue d'une danseuse ou d'une chanteuse. Moi, je l'ai jamais entendu chanter et je l'ai jamais vu danser. Elle porte un nom de footballeur, elle m'avait dit Batma. Sincèrement, quand on me disait ça, moi, je croyais que c'était une marque de spadrille ou de ballon de football. Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire Batma. C'est après que j'ai compris que c'était un nom et après j'ai compris que c'était, une artiste, après que j'ai compris que c'était une chanteuse. Enfin, au début, je ne savais pas de qui il s'agissait. Bon, alors, je crois que par ses relations, elle fréquentait beaucoup de filles, et puis elle faisait jouer un sale rôle pour essayer de filmer des responsables, des gens d'argent, des fils de famille importantes ou pas importantes, vous savez. L'important, c'est comme la trahison, c'est une question de temps. Aujourd'hui, vous êtes riche, demain, vous êtes mendiant. Et après-demain, vous n'êtes rien du tout. Il suffit de voir l'empereur de Chine, ou puisque vous êtes en Chine, ou alors le chat d'Iran, puisque c'est l'évolution normale, ou la famille de Pablo Escobar. Vous êtes riche aujourd'hui, vous êtes pauvre demain. Donc ça, c'est pipeau qui ne veut rien dire. Mais non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas Wahiba. Non, ce n'est pas un bordel non plus. Non, ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Parce que si ça me concernait, vous pouvez être sûr que je parlerais autrement. Ceci étant, si le fait de dire que les fesses de Ziyan représentent un intérêt quelconque pour l'évolution du pays, je ne sais pas si c'est l'évolution. Peut-être qu'il faut... Vous savez, aujourd'hui, il faut commencer... Je me rappelle un certain temps, l'histoire, on disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, après on a commencé à dire... Avant le mur de Berlin, après le mur de Berlin, d'abord on va commencer à dire avant le Covid et après le Covid. Si après le Covid, mes fesses intéressent quelque chose pour l'évolution et le développement, pour sortir du Maroc d'un déficit qui atteint 8%, avec plaisir. On parlera de votre projet politique tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez répondu à ma question? Je demande à la régie si l'image est bonne. Ok, parfait. Avant de
Avant de rebondir sur ma question, BDX33 nous pose une question aussi intéressante que tout le monde se pose. Est-ce que vous allez poursuivre Chouf TV en justice? C'est ridicule. Chouf TV n'y est pour rien. Chouf TV est l'instrument, d'après Weiba, de la DST, pardon, d'après Weiba de Abdelhamouchi. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je n'ai pas la preuve. Maintenant, il y a assez d'indices et de soupçons que c'est la DST. Parce Voilà, que c'était le c'est sens de une. ma question en premier. À votre avis, quel est, Voilà. est-ce qu'il y a une ingénierie derrière tout ça? Bien évidemment que tout le monde se pose cette question, vous-même le Rien. premier. Et qui serait derrière cette ingénierie? Vous avez parlé de Monsieur Hamouchi, vous avez parlé de la DST justement dans vos Non, interviews. Weiba parle de, Oui. Madame Weiba parle de la DST, parle de Hamouchi, moi je parle de la DST. De la DST Parce plutôt, oui, d'accord. pourquoi je vous. Elle a le droit de parler. Elle a dit ne pas avoir des problèmes avec ni la DGSN ni la DST, et elle a des problèmes avec des personnes bien particulières. On reviendra Elle sur n'a le cas aucun de problème. Wahiba justement tout à l'heure, très Ah, rapidement. non, non, c'est pas le cas qui m'intéresse. Elle dit, elle n'a aucun problème avec les institutions. Moi, j'ai un problème avec une institution qui s'appelle la Direction de la Surveillance du Territoire. Je suis contre la police politique. Je ne suis pas le seul, puisque Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en novembre 99, ou je ne sais pas quand. Quand il a, je ne sais pas en quelle année, je vous le dirai si je trouve, avait dit en montant au trône, je ne veux pas de police politique dans mon règne. Pendant mon règne, je ne veux pas, moi non plus, je ne veux pas de police politique. Si vous voulez avoir de la police politique, tant mieux pour vous, ça vous regarde. Mais une police spécialisée dans les dossiers concernant les militants, les universitaires, les penseurs, les politiciens, les syndicalistes, les militants de droits de l'homme. Je vous dis non, niet, je ne veux pas, je suis contre. C'est simple, comme bonjour. Et la DST, comme n'importe qui d'autre au Maroc, il vit parce qu'il y a un contribuable qui paye un tribut très lourd. Nous payons ces gens-là pour nous protéger. Maintenant, s'il faut qu'on paye quelqu'un pour cesser de nous, pour cesser de nous, s'il faut que maintenant qu'on crée un organisme ou qu'on dépense notre argent pour empêcher la DST de nous violer, ben alors là, il suffit de dissoudre cette DST, c'est ce que je vous dis. Moi, la DST, je la paye, moi, je la paye, vous la payez. Et les 35 Marocains, millions de Marocains la payent pour qu'elle nous surveille, pour qu'elle nous protège, pour qu'elle fasse le nécessaire afin que je puisse vivre ma vie privée dans la paisibilité totale et pas le contraire. Voilà ce qui compte pour moi. Donc, mon problème est avec une institution. Et cette institution s'appelle la Direction de la Surveillance du Territoire que ce fameux Abdef a dirigé pendant très longtemps. Je crois que c'est très mauvais. On va tomber à la même erreur qu'a fait Feu Hassan II avec Driss Mistry. Quand quelqu'un dure longtemps, le pouvoir use et le pouvoir absolu use absolument. En Pour parlant de rester très DST, longtemps. on reçoit, excusez-moi de vous interrompre, une pluie de trolls, de faux comptes qui bombardent le chat en ce moment. Merci Anna, à la régie de ça faire le travail et de ne change rien. contrer ces petites attaques. Alors qu'on est une toute Pas petite comment chaîne avec quelques abonnés, on est même, comment dire, flatté par autant d'attaques pour une si petite chaîne, on va dire. Voilà. Excusez-moi de avez vous avoir le. interrompu. Vous parliez de DST, j'ai senti comme le rôdeur numérique. Voilà. Donc je me devais de les signaler et de signaler. Oui, ils écrivent mal français d'après la régie. Merci Farida pour votre Je vais don vous de 5 expliquer euros. quelque chose de. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple en 2 secondes. Vous ne pouvez pas
mettre fin ou alors arrêter une crédibilité basée sur la vérité, une crédibilité sincère et vraie, par des simples mensonges ou des simples formules dégradantes, immorales. C'est pas par l'immoralité qu'on peut faire, qu'on peut mettre fin à une crédibilité populaire. Voilà ce que je veux dire. Si la déesse elle n'a pas compris, c'est une raison de plus pour que Sa Majesté s'empresse de la dissoudre. Enfin, le ministre de l'Intérieur, parce que Sa Majesté, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est une direction qui relève de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, laquelle elle-même relève du ministère de l'Intérieur. C'est un simple arrêté ministériel. Vous savez, il suffit de griffonner dans un papier et elle part aux oubliés. Très bien, Maître Zien. N'hésitez pas, les abonnés, à poser vos questions concernant la thématique qu'on aborde donc actuellement de l'affaire Zien. Et quand de l'affaire, je veux dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, fait divers ou... de l'affaire pornographique du Zien Gate. Moi, je l'appelle Zien Gate. J'ai suggéré cette appellation dans l'une de mes vidéos. Et voilà, donc les amis, si vous avez un questionnement, car après, quand on changera de thématique, on ne pourra pas, évidemment, revenir en arrière. La deuxième question par rapport à ce sujet, très cher maître... C'est bien noté. Il faudrait que nos étudiants commencent à faire des tests sur la porno-politique ou la politique pornographique. On va voir ce qu'on va découvrir. Ça serait pas mal. Ça serait une révolution pour un pays comme le Maroc et peut-être une belle évolution vers l'ouverture d'esprit de certains. Alors... La deuxième question sur le sujet, pensez-vous que Madame Wahiba est une victime collatérale, que vous étiez visé, ou plutôt que ceux qui sont à la tête de ce crime, car c'est un crime, ont voulu faire taire d'une pierre deux coups, vous détruire politiquement et faire taire Madame Wahiba qui poursuit un haut gradé de la police pour harcèlement sexuel. N'hésitez pas à faire un court résumé, si c'est possible, Maître Ziem, de l'affaire un petit peu Wahiba pour les gens qui ne connaissent pas. Non, sincèrement, l'affaire Wahiba reste une énigme pour moi. Elle avait un problème avec un individu très important parce qu'il était le chef de la sûreté régionale de Jadida. Il est contrôleur général. Je ne sais pas si dans le monde on sait ce que ça veut dire contrôleur général. C'est un grade très, très haut de avant. Le grade le plus haut de la police, c'était le préfet. Après, on a inventé contrôleurs et contrôleurs généraux pour pouvoir les payer un peu plus avant la retraite, pendant leurs 5 dernières années d'activité. Bon, c'est un contrôleur général, je crois que ça veut dire le rang le plus haut dans l'administration. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe c'est l'énigme qu'on comprend pas. L'affaire s'est déclenchée parce que ce préfet de police, ce contrôleur qui agissait qui avait les pouvoirs d'un préfet de police, a usé et abusé de son autorité, de son pouvoir, parce que il s'en est pris d'elle ou parce que il méprisait la femme et qui croit que quand on a une autorité, c'est comme à l'époque, comme chez les dictateurs, envoie-moi ta fille, j'ai envie de m'amuser ce soir, et les soufifres lui envoyaient leur fille ou je ne sais pas qui d'autre. Dans cette pourriture, dans cette image pourrie, décadente, absolument immorale, et s'est pas laissé faire, et elle a subi toutes les pressions possibles et imaginables, jusqu'au point qu'un jour, une horde de voyous commençait à jeter des pierres sur la maison de sa mère. On a vu des images. Sur Niao TV, justement, on a vu aussi des images inédites. Sur les plateformes. D'une dame qui l'a insulté, des voisins, voilà, mais en toute impunité, encore une fois, peut-être encore ingénierie. Oui, on est dans un pays d'ingénieurs ou d'ingénierie qui réfléchissent à beaucoup de choses. Et c'était une petite parenthèse, juste pour étayer vos propos.
Vous parlez d'ingénierie, moi je parle de crétinisme Oui. et d'un crétinisme congénital, j'ai l'impression. Même la stupidité est congénitale. Tout Voilà, à qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce préfet excité, ses voisins et tout ça pour lui rendre la vie impossible. Bien sûr, elle est appelée, et je crois, je ne sais pas si elle vous a donné la liste des appels au secours dans la salle de trafic. Je crois qu'en une nuit, elle a appelé 110 fois ou 150 fois. Et à la fin, quelqu'un lui a dit, écoute, on a travaillé ensemble. C'est le préfet qui nous a dit de ne pas intervenir. On ne peut rien faire pour toi. Bon, elle a mal pris la chose. Elle est allée le voir dans son bureau. D'ailleurs, un directeur général de la police judiciaire, je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. Bon, il y a une direction générale qui s'occupe du nettoyage de la poubelle dans les commissariats de police judiciaire, je veux bien, mais qui commence à donner des ordres, de concevoir une politique et de répression ou la politique des libertés au Maroc, c'est un super scandale quand on se dit être une monarchie constitutionnelle et que la Constitution dit que la police judiciaire, dans laquelle figure le directeur général de la Sûreté nationale, hein, et il est officier de police judiciaire, sont sous les instructions et le contrôle du juge d'instruction et du parquet. Je sais pas, mais au Maroc, tout ça ne veut rien dire. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dévié comme ça. Elle va le voir, elle lui dit, mais qu'est-ce que cette histoire-là? Si tu as un problème avec moi, c'est ta part, mais il s'agit quand même de ma mère. Et ce jour-là, ma fille était là-dedans. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché d'appeler ton mari qui est à San Francisco qui vient t'aider. Tu sais, à un moment donné, il a senti qu'il allait peut-être lui cracher dessus, le mériter. Il appuie sur les sonnettes, les gens entrent, il dit « appelez-moi la salle de trafic, appelez-moi je ne sais pas qui, appelez-moi je ne sais pas qui ». Quand elle a vu ça, elle est sortie, elle a fait un rapport au directeur général qui l'a envoyé à l'inspection générale, et c'est à ce moment-là que l'inspection générale lui a dit ça ne peut pas se passer comme ça s'il n'y avait pas une raison profonde. Et ils l'ont gardé du matin à l'inspection générale jusqu'à 5h de l'après-midi, à 5h de l'après-midi, parce que sa mère l'appelait, elle avait peur pour elle, et sa fille aussi. Elle leur dit, voilà ce qui se passe, cet homme-là, j'ai subi des harcèlements sexuels de sa part, et il utilise son autorité et il abuse de ses pouvoirs. C'est comme ça que la chose s'est déclenchée. Malheureusement, l'inspecteur général, et ça vraiment c'est du beau travail, il est allé sur place lui-même, il a fait lui-même l'enquête, et quand il s'est rendu compte qu'il disait vrai, il a écrit une note au directeur général, qui d'après Drissi, ce directeur général de la Sûreté nationale, qui d'après Drissi, qui est le directeur de la police judiciaire, a dit avoir reçu comme réponse, faites appliquer la loi, faites ceci, ce qui est anticonstitutionnel, parce que tout ce que peut faire un directeur général de police, c'est dire envoyer le dossier au parquet. Il ne peut pas dire d'appliquer la loi, de ne pas l'appliquer, d'aller jusqu'au bout, de ne ménager personne. Il ne peut rien faire. Il peut tout simplement transférer le dossier au peu importe. De toute façon, on n'entre pas là-dedans. Elle est allée à la Brigade nationale police judiciaire, elle a déposé sa plainte. Et au moment où la police judiciaire, c'est à ce moment-là que la police judiciaire appelle le procureur général Jedida. Parce que chez nous, au Maroc, les crimes relèvent de la cour d'appel et des délits du tribunal régional. C'est pas comme dans tout le monde. Dans le monde entier, il y a un seul parquet. Ça commence d'en bas et ça finit d'en haut. Mm-hmm. Le procureur général de la cour d'appel contrôle la marche et la constitutionnalité, la légalité des actions des procureurs. Mais il décide pas et il n'engage pas de poursuite. Et il n'ordonne pas des enquêtes. Il peut demander à un procureur de le faire, mais lui, il ne le fait pas. Bon, peu importe. Au Maroc, ça se passe comme ça. Le procureur général, la police judiciaire appelle le procureur général pour lui demander l'autorisation d'ouvrir une enquête et d'entendre le préfet. Et c'est alors, à la surprise générale,
le préfet demande qu'on retire le dossier de la brigade nationale en disant que lui-même, puisqu'elle a la qualité d'officier de police, lui-même va faire l'enquête. Eh ben, un an et demi après, il n'avait rien fait. Et puis, il y a eu un jour l'arrestation de Tawfiq Bechrine. Il y avait aussi des histoires comme ça de porno. Et j'avais fait une conférence de presse, un journaliste m'a dit « Je ne vous comprends pas, pourquoi vous ne défendez pas la femme dans ce dossier ?» Comme a fait la police judiciaire et comme l'a fait le parquet. J'ai dit « Écoutez, puisqu'on me dit que le parquet défend la femme, ben je vais vous rappeler le cas de Wahiba Kharchis. » J'ai expliqué aux journalistes le cas de Wahiba Kharchis. Et j'ai dit « Moi, je suis pour la défense de la femme, oui, mais qu'on instrumentalise le corps d'une femme, la situation de femme, pour essayer de faire taire un éditorialiste ou un militant, je ne suis pas pour. De toute façon, je ne crois pas à cette thèse parce que les deux femmes qui ont déposé plainte n'avaient pas de vidéo. Elles n'ont pas fait l'objet d'harcèlement sexuel. C'est clair, c'est même la police, dans la procédure, ils le disent. Mais que par hasard, parce qu'ils sont allés, ils ont trouvé que dans un tiroir, il y avait une cassette, qu'il y avait une vidéo, qu'il y avait une caméra. Et en faisant le travail, ils ont trouvé par hasard des enregistrements. Et c'est alors qu'ils sont allés chercher les femmes qu'ils ont trouvées dans les enregistrements. Et ils ont trouvé que ce monsieur-là avait fait un trafic d'êtres humains puisqu'il utilisait cette caméra pour obliger les femmes à coucher, à recoucher avec lui. C'est toute une histoire toute tordue. La question qui s'est posée, je leur ai dit, monsieur, sans juge d'instruction, sans rien du tout, ils l'ont envoyé à l'audience le 8 mars. Zama, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et toutes les femmes vont sortir, et ça va faire ceci, et papa, et le type-là, on va le tuer, et on aura fait ce que MBS, Mohamed Ben Salman, a fait avec Khashoggi, à la marocaine, puisque nous sommes encore, grâce à Dieu, plus civilisés que les gens d'Yel Khalij. Bon, ben, c'est tout simplement ça, je leur dis, je n'y crois pas. Si vous permettez, Maître Zien, juste alors, une petite chose qui vient de se passer sur le chat. Dunia a bien fait de mettre le chat réservé aux membres, car on a eu des attaques surpuissantes de je ne sais qui, d'une force extérieure qui n'est jamais arrivée, des dizaines et des dizaines de messages, des centaines de comptes. Donc la régie a supprimé des comptes et ils reviennent à chaque fois. Donc on a réservé, pour l'instant en tout cas, le chat réservé aux membres, vu que ces gens-là ne peuvent pas être membres parce qu'ils seront dévoilés, voilà, pour avoir un chat propre. On verra si on reprend tout à l'heure un chat normal, mais pour l'instant, seuls les membres de la chaîne peuvent laisser des commentaires. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour expliquer aux personnes qui ne peuvent plus écrire de commentaires, c'est qu'il y a eu une attaque assez terrible. Je demanderai à Dunia de relancer le mode normal, on verra comment ça se passe, et si ça se relance... Regarde, ok, d'accord. Bon, alors n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Alors je vous disais... Allez-y, je vous en prie. Alors je vous disais, dans cette interview que j'ai faite pour l'affaire de Tawfiq Bechrine, où j'ai expliqué la vérité, où la majorité des femmes citées venaient me voir en me disant « Mais nous, on n'a rien dit, hein ?» Nous, on n'a rien dit, nous, on n'a rien vu. Nous, on veut dénoncer le travail qui a été fait dans ce dossier-là. J'ai dit, voilà, il y a le cas de cette femme policière. Mm-hmm. Là, il y a la presse internationale et les télévisions internationales qui se sont jetées sur l'information en disant, ça, c'est très important parce que nous cherchons dans le monde arabe, des femmes qui auraient eu le courage d'affronter leur patron, et surtout au sein de l'armée et au sein de la gendarmerie, au sein de la police. Nous n'avons jamais trouvé, c'est la première fois qu'on voit une dame accuser un préfet de police. Ça a pris une telle ampleur
que le procureur a dû envoyer le dossier à monsieur le premier président de la Cour d'appel, qui a nommé un conseiller en disant il y a assez de preuves pour convoquer ce préfet de police et ouvrir une enquête avec lui. Voilà. C'est grâce à ça, je vous dis comment que les choses se sont passées. Donc vraiment, la pauvre n'y est pour rien. Et c'est là que ces malheurs ont commencé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la prend et on la mute à Ben Gvir, qui se trouve à 150 km de son lieu de domicile. Pour y accéder, on ne peut accéder que par des routes tertiaires, enfin des routes tertiaires marocaines. Hein. Mm-hmm. On ne peut pas croire que c'est des routes tertiaires japonaises ou allemandes ou françaises. Hein. Marocaines, ce qui veut dire il faut des pistes. C'est le terme adéquat. Il y a un grand pourcentage de pistes. La vérité, ils l'ont fait pour l'écarter de ce qu'on appelle le théâtre du crime, hein, le théâtre du délit. En l'écartant de Jadida, exactement d'Azmour, hein, ils ont commencé à essayer d'intimider les témoins que l'inspecteur général avait lui identifié. Ah oui, bah lui, l'inspecteur, la DGCN avait identifié au départ. Et les menacer, après leur demander de revenir sur leur décision devant le juge d'instruction, et troisièmement, essayer de corrompre des témoins. Et ça, vous avez ces témoignages-là, je sais que Dounia Fideli a ces témoignages-là. Elle, bien sûr, parce qu'elle travaillait à la police judiciaire, elle prenait ses précautions. Pas Dounia Fideli, Wahiba qui travaillait à la police, Madame Wahiba qui travaille à la police judiciaire. Qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, Wahiba qui travaille à la police judiciaire, donc une grande expérience de quelques décades à la police judiciaire, c'est comment travailler. Donc, elle avait pris des déclarations écrites, des déclarations orales, elle est allée voir les témoins qu'on a essayé de soudoyer, elle est allée voir les témoins qu'on a essayé de menacer, tout ça, elle a reconstitué un dossier, elle l'a porté au juge d'instruction, et pac, tout ce qu'on, réponse, elle est moqfa, on essaie de la suspendre. C'est ça la réponse de la DGCN. Mais la question est-ce qu'elle était visée? C'est-à-dire, le sens de la question, il est là. Je ne sais pas. À votre avis, voilà, est-ce que c'est une victime collatérale? Non, je n'ai pas d'avis. Ou les gens qui ont fait cette ingénierie, comme vous l'appelez cette bêtise, ou vous l'avez nommée d'une certaine manière tout à l'heure, est-ce qu'ils ont pensé que du crétinisme à faire d'une pierre deux coups, ou vous visez-vous concrètement pour vous détruire politiquement? On verra tout à l'heure qu'ils ont fait beaucoup plus de bien que de mal, plus de publicité gratuite et nationale qu'autre chose. Ça prouve aussi un petit peu leur intelligence. Donc, le sens de la question, à votre avis, je ne dis pas que vous aurez une réponse claire, mais par rapport à votre ressenti, est-ce que vous pensez que Mme Wahiba... Oui. Est-ce que c'est vous qui êtes visé? Est-ce que c'est Mme Wahiba? Est-ce que vous êtes visés tous les deux? À votre avis, tout simplement, votre sensibilité par rapport à ça. L'énigme, c'est celle-là. L'énigme, que représente ce préfet de police? Je voudrais le savoir. Si ce préfet de police, ou le fait qu'il ait dénoncé un harcèlement dans les rangs de la police, ça pose un problème, il faut nous dire pourquoi. Est-ce que ce préfet de police n'était pas chargé de recruter parmi les personnels de police féminin les plus décadentes? Pour en faire quoi exactement? Je ne sais pas, il y a une énigme, l'énigme est là. Elle a raison, Wahiba, quand elle dit, c'est à lui de donner la réponse. Pourquoi il défend avec tant d'ardeur un gars qui ne mérite pas d'être défendu? Pourquoi? L'énigme est là. Maintenant,
que du fait que j'ai défendu Héraclitus contre la volonté des institutions de sécurité, que j'ai défendu Tawfiq Bouachrine malgré l'insistance du parquet et de la police politique à essayer de me convaincre de m'écarter du dossier. Finalement, ils sont arrivés à convaincre Nasser Zebzafi, malheureusement, de me retirer de la défense parce qu'ils n'avaient pas, ils sont pas arrivés à me convaincre, moi, de quitter le dossier. Je ne sais pas. Après, bien sûr, je suis devenu la bête noire de ces institutions parce que je dénonçais leurs intrigues, leur modus operandi. Est-ce que c'est après, bon, mais avant, il y a eu le cas Wahiba. Avant, ces gens-là ne voulaient pas que Wahiba parle. Pourquoi? Ce n'est pas Wahiba. Wahiba n'a rien à cacher. Elle vous dit tout. Même elle ne comprend pas. Elle est allée aux États-Unis, elle est revenue. Quand elle est allée aux États-Unis, elle a été surprise parce qu'il y avait des vidéos, des photos la compromettant. Elle demande à son mari de retirer du dossier Maître Ziyan. Mais c'était des pourparlers, les pourparlers aux États-Unis, si Wahiba avait le dire ou non, consistait à dire retire la plainte. Si tu ne veux pas retirer la plainte, retire Maître Ziyan comme défense. Qu'il cesse d'être ton avocat. Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord, donc là, c'est une réponse claire quand même. C'est un élément nouveau qu'on n'a pas eu précédemment, je pense. Je voulais juste signaler aux personnes qui sont avec nous qu'on a relancé le chat. Il est permis aussi, enfin maintenant, de poser vos questions. Alors, le Doubab électronique va avoir du mal avec d'autres modérateurs que la régie a nommé modérateur. Et j'espère qu'ils se calmeront et nous laisseront faire notre petit live tranquillement. Donc, merci aux modérateurs supprimer tous les virus qui vont attaquer ce live durant toute sa période. Alors, Maître Ziyan, désolé de cette petite intervention. Voilà, je vous en prie, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alors maintenant, si vous allez voir, ils vont essayer parce que Wahiba a dit qu'elle est prête à tout renoncer parce qu'elle ne veut pas d'histoire. Elle a son frère qui est quand même à la police nationale. Elle a sa sœur qui est avocat. Elle a sa mère. Elle tient beaucoup à garder les plus belles relations possibles avec le pays parce qu'elle y tient. Elle se sent très marocain parce qu'elle a 50 générations de marocanité. Bon. Mais ils vont lui dire, la première chose que tu dois faire, Wahiba, c'est de dénoncer Maître Ziyan. Je le sais. Nous le savons. Ils l'ont fait avec Nasser Zebzafi. Ils l'ont fait avec Tawfiq Bouachrine. Tous les jours que Dieu faisait, ils allaient le voir en disant, demande à Maître Ziyan de se retirer du dossier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'applique les procédures judiciaires que la loi met à ma disposition. Parce que j'ai une crédibilité populaire et que ça les gêne que je ne viens. Je suis royaliste. Je ne discute pas ma tendance royaliste. Parce que je ne crois pas aux tribus marocaines, ni aux populations marocaines, et que je sais qu'il risque de nous arriver ce qui est arrivé aux autres pays arabes. Donc je ne peux pas jouer la carte de l'aventurisme. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec mon roi, c'est mon droit le plus absolu, d'avoir une opinion différente. On parlera du roi tout à l'heure, c'est-à-dire le live, le live d'aujourd'hui. Je suis royaliste. Si je peux me permettre, je ne veux pas, je ne veux pas qu'on instrumentalise la pornographie dans la politique. Et je ne veux pas qu'on utilise les femmes pour essayer de faire pression à la classe politique, gouvernement compris, parlementaire, militant, parti politique et tout le personnel politique. Parce que si ceci arrive dans la politique, qu'est-ce qui me dit que ceci n'arrive pas dans les affaires économiques et financières?
Comment je vais accepter un régime qui utilise les femmes pour essayer dans un pays parce qu'il est de tradition, il est très traditionnaliste et qu'on a peur de montrer les fesses ou les poitrines des gens quand on est une femme et les fesses d'un homme en disant attention, on t'a vu entrer dans une chambre et tu vas voir la merde, ça va créer chez toi et dans ton entourage ou dans ta tribu. Et que tout le monde, je crois que le silence que connaît aujourd'hui le Maroc, alors que jamais les droits de l'homme n'étaient aussi bas et que jamais la situation économique et sociale n'était aussi tendue, est due au fait que la DST a pu obtenir des images sur des individus ou les fabriquer pour les écraser et les faire taire. Eh bien, moi, je ne vais pas me taire. Le seul moyen qu'il y a pour que je me taise, c'est qu'on me coupe la gorge. Point final. Et cessons de dire, cessons cette politique stupide, crétine, qui ne mène à rien. Surtout après le Covid-19, attention, je ne sais pas si le Maroc sait où il met les pieds, quel est son futur, quel est le futur de l'humanité, quel est le futur de l'économie mondiale. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y aura pas de récession, mais le retour au niveau zéro va arriver d'un moment à l'autre. Et que d'ici 2023, il va y avoir inimaginable des désemplois, du chômage. Ajoute à cela au Maroc l'inculture, l'analphabétisme, l'ignorance. Mais où on va, mais où est-ce qu'on va quand même? Et tu as vu, on utilise, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'enrichir, et pour nous enrichir, toute personne qui bouge, on va lui amener une femme pour la... je ne sais pas compris. Je sais pas, est-ce que c'est ça l'énigme que Weiba a touché du doigt sans se rendre compte? Et qu'en décelant des femmes, ils ont dit, voilà une qui peut bien nous faire l'affaire, bien, avec celle-là, on risque d'attirer des personnalités et des décideurs, et qu'elle ne savait pas où elle mettait les pieds, mais que par dignité, par morale, lui a dit, écoutez, monsieur, allez vous faire foutre chez les Grecs, ne me racontez pas d'histoire. Parce qu'ils ont dit, celle-là, son mari aux États-Unis, elle est là, viens, on va voir, elle va nous amener d'autres... Quelle est l'intrigue? Quelle est l'intrigue dans ce pays-là? Arrêtons une fois pour toutes. Que se passe-t-il? Comment vous expliquez que l'hôtel, cette femme-là, vous a démontré qu'en A plus B, sans problème, d'une manière catégorique, scientifique, que la chambre, c'est la chambre de l'hôtel d'Aulis de Salé? Il ne s'est rien passé. À ce moment-là, à ce jour-là, il ne s'est rien passé. C'est pas grave, ils peuvent insulter, nous, on voit les questions. Voilà, on est de retour, je pense, avec Maître Zien. Alors, en plus de l'attaque sur le chat des microbes de je ne sais quelle ingénierie ou crétinerie, comme dirait Maître Zien, il commence à signaler donc qu'il y aura des coupures de temps en temps, et ce n'est pas très grave. Et je remercie d'avance notre invité, Maître Zien, de comprendre ces circonstances qui sont dues aussi, certainement, à votre présence. Si j'avais invité Cheikh Atrax, je ne pense pas que j'aurais eu autant d'attaques de je ne sais quelles ordures. Voilà, pour rester poli. Alors, Maître Zien, on était sur la question de Weiba. Et pour finir, à part, après on verra si vous voulez rajouter quelque chose. Le directeur central de la police judiciaire, M. Mohamed Drissi, si je prononce bien son nom, Drissi ou Valdrissi, je pense, a fait une sortie assez fulgurante concernant cette affaire, en incriminant de façon éhontée Madame Weiba et a menacé toute personne traitant de cette affaire de poursuite judiciaire. Rien que ça. Cela ne l'a pas empêché de commettre lui-même plusieurs écarts vis-à-vis de la loi, comme par exemple de la diffamation envers le frère de Madame Weiba. Vous sentez-vous visé, peut-être inquiété par cette sortie? Nous-mêmes, on a cru que cette personne vous visait, vous et Weiba, qu'elle vous allait vous poursuivre en justice, en rappelant qu'un YouTuber a été poursuivi en justice, justement, par M. Hamouchi, après la déclaration de M. Drissi. C'est une chose assez... qu'est-ce que vous pensez de cette sortie abracadabrante de M. Drissi? Non, la menace était destinée.
Le fait d'avoir parlé du frère de Waïba, c'était pour dire attention à vos familles. Hein? Et mon fils est en prison. On évoquera votre fils justement. Ça sera le sens de la question suivante, Monsieur Nasreddine. Et à la fin de sa déclaration, ce personnage a parlé de masque tueur ou de masque criminel ou tueur, comme si mon fils avait pris le COVID-19 et l'avait arrosé. Avait arrosé des masques avec du COVID-19, en l'accusant qu'il aurait fabriqué des masques qu'il aurait vendus à une clinique. Et je précise que, d'abord, la clinique n'existe pas. Deuxièmement, mon fils n'a rien vendu parce qu'il n'a rien acheté, parce qu'il n'a rien fabriqué. Mm-hmm. Il est pilote et il n'a rien à voir avec l'industrie du textile. Et il n'a jamais rien fabriqué. Et la personne qui a acheté, qui a fait l'opération commerciale de chez le fabricant à l'acheteur, qui se prétendait être une clinique, et finalement on a apporté la preuve que ce n'est pas une clinique, parce qu'il n'y avait pas de clinique du tout. Cette personne-là, elle n'a pas été poursuivie, elle habite à Jedida, il a ses affaires à Jedida, il a un négoce à Jedida, il n'a fait l'objet d'aucune molestie. Pour que ça soit clair. Après, on a démontré que le fabricant produisait des masques en Tyvek et que le Tyvek est la matière utilisée à Wuhan, en Chine. En Chine. Et c'est grâce à cette matière-là que, oui, Wuhan, la source du Covid, et c'est que grâce à cette matière du Tyvek qu'on a pu dépasser l'épidémie en Chine. Et que la maison que la police a présentée... Une petite parenthèse, si vous permettez, Monsieur Zien, je vois un petit peu Doubab électronique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui envoie des messages assez drôles. Comme Monsieur Zien est un personnage frivole, Monsieur Zien... ils me font bien rire, enfin ils ont beaucoup d'humour. Excusez-moi de cette parenthèse encore une fois, c'était juste pour souligner l'humour de ces gens-là aussi, qui vous attaquent de toutes les manières. Encore, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Tout à fait, exactement. Vous ne pouvez. C'est une preuve, Monsieur Zien, si je peux me permettre, de l'attaque que vous avez, de ce que vous subissez comme attaque. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons des centaines de personnes venir vous insulter. Enfin, c'est des gens, on sait d'où ils viennent, c'est des gens qui sont contrôlés. Et c'est ce que vous dites, cela étaye, prouve pour les gens qui n'ont pas compris que vous êtes surveillés, que vous êtes attaqués. Par des instances, je ne les connais pas, mais je crois certainement étatiques, et je ne sais pas lesquelles, mais vous êtes attaqués en tout cas, ça c'est certain, et notre live, notre petit live sur cette chaîne le prouve. Voilà, tout à fait. Je vous en prie, Maître Zien, c'était une parenthèse importante que je tenais à faire. Merci. Voilà. Tout simplement, vous dire que le fabricant a dit au tribunal, messieurs, je ne connais pas Nasreddine, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai rien vendu. Et la clinique n'existe pas. On a amené une attestation du ministre de la Santé disant que cette clinique n'existe pas. Et on a amené un certificat du conseil de l'ordre régional de la ville de Marrakech en disant cette clinique n'existe même pas comme projet. Et ils lui ont donné 3 ans de prison. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est moi qui suis visé? Est-ce que c'est Waïba? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les trois, mon fils aussi? Alors, je crois que quand il a parlé de son frère, Rissi voulait dire attention à vos familles. Parce qu'à la fin de sa déclaration,
Il rappelle qu'il y a des gens en prison pour avoir vendu des masques. Il le dit. Il me dit, ton fils est en prison, attention. Attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Vous imaginez le niveau de culot, parce que ces gens-là sont sûrs d'avoir pris entre leurs mains le pouvoir. Basé sur quoi? Basé sur l'immoralité. Ils sont incapables de résoudre un petit dossier, le moindre dossier. Ils sont incapables de répondre aux incertitudes, aux demandes de la population. Ils sont même incapables d'écrire en français, parce que là, ils sont sur le chat, ils insultent en arabe, ils comprennent. Ils n'arrivent même pas, il n'y a pas assez d'effectifs français pour les gens qui nous attaquent. Hein. J'imagine c'est Doubab de la DST, très certainement, pour les nommer, car ça ne peut être qu'eux. Et voilà, pour souligner qu'ils ne sont même pas capables d'écrire en français. Et faites un effort, ramenez des intellectuels, bande d'idiots. Juste une chose, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions à M. Zien. Ne soyez pas perturbés par ces fantoches, fantômes, fantoches qui ne servent à rien. Restez sur le sujet parce que leur but à eux, justement, c'est de déstabiliser le live, que vous ne puissiez pas poser vos questions. Et que voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, en rapport avec la thématique abordée. Nous allons continuer. Je vous laisse continuer, Maître Zien. Vous parliez de Nasreddine Zien qui aura son procès, on appelle, je pense, le 28 décembre, votre fils qui a été. Inch'Allah, j'espère que ça se passera bien. Qui a été enfermé pour des raisons, comme vous avez expliqué, très étranges. Et ça rejoint évidemment l'affaire Wahiba. Et qui sera le prochain? Qui sera la prochaine victime? La prochaine victime programmée, c'était Wahiba, mais elle a foutu le camp. Elle a foutu le camp plus vite que le temps, si vous voulez. Plus vite qu'il ne le croyait, et elle a disparu en Espagne où elle a été attrapée par le Covid, je crois. Et puis maintenant, se trouve aux États-Unis grâce à l'aide de quelqu'un qui va marquer l'avenir, qui est la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harrison, qui l'a beaucoup aidé pour qu'elle puisse quitter l'Espagne, les États-Unis. Nous avons des fans avec nous de Monsieur Zien qui veulent voter pour vous, qui sont là, les soutiens sont là. D'ailleurs, on le sait depuis longtemps sur cette chaîne. Est-ce que justement, en parlant de soutien, est-ce qu'ils veulent détruire vos soutiens, leur faire peur pour que... Ça sera ma dernière question par rapport à ce sujet et on passera à autre chose. Pour vous laisser justement seul... Je vous ai répondu, on ne peut pas écraser ou la mettre en doute ou détruire une crédibilité basée sur la vérité, sur la réalité, sur la justice par du mensonge. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas, ou par le brouillard. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme on veut. Ça ne donne rien. Dounia nous dit qu'ils sont incapables de savoir qui est Hamza, mon bébé. Pourquoi Maître Kharouch a dit que c'est Wahiba qui a fabriqué la vidéo? Oui, c'est une question qu'on peut poser à Maître Zien. Pourquoi, à votre avis, c'est insensé quand même de sortir ça Vous savez, non, ça c'est une technique de Goebbels. Mm-hmm. Il faudrait... pousser les personnes vers le déraisonnement, ça les empêchera de raisonner et ils paraîtront ridicules. Non, je ne réponds pas aux stupidités, surtout d'un crotte qui est plus bête que mes pieds. c'est du néant. Ça s'appelle verser du néant dans du vide. Ah oui, on n'a pas grand-chose. Ça fait pas du tout. Verser du vide dans du néant, c'est verser du néant dans du vide. Ça ne mène nulle part. Ça veut rien dire, cette chose-là. Ça ne veut rien dire. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être ce qu'ils ont gagné, c'est que Sa Majesté... parce que je vous dis une chose, et je sais que Sa Majesté n'aime pas que je dise cette phrase-là, mais c'est une vérité. Les rois écoutent
les rois ne voient pas. Les rois entendent les voix de ceux qui sont proches d'eux. Les rois entendent ce que les autres veulent lui dire. Les rois ne voient pas. Je sais que Sa Majesté n'aime pas cette phrase-là, je le sais. Je sais qu'il ne l'aime pas, mais c'est une vérité. C'est les autres qui voient pour lui. Donc ils lui disent ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Voilà une triste vérité. Voilà une triste vérité que Hassan II avait essayé de dépasser parce qu'il avait la gendarmerie d'un côté, l'armée de l'autre côté, l'intérieur de l'autre côté, la police de l'autre côté. Et il avait des services à lui, royaux, spéciaux. Et puis il avait surtout le Mkhzen qui est constitué de toutes ces femmes qui circulent tous les jours discrètement sur tous les marchés de la ville et des populations, et qui sont dans tous les tribus du Maroc et qui chaque jour ramassent l'état d'âme de la population et c'est eux qui détiennent le pool du pays pour lui dire voilà où ça marche et voilà où ça ne marche pas. Non, moi j'en sais rien comment Sa Majesté le roi Mohammed VI fonctionne. Mais s'il croit que la DST est une merveille, lui qui a commencé le premier jour, non, je ne veux pas de police politique. Et le lendemain, il a renvoyé Drisselbstri. Je ne veux pas de police politique. Personne ne veut une police politique. Et vous savez, il y a des intellectuels, il y a des journalistes qui viennent défendre l'obligation d'avoir une police politique parce que c'est nécessaire pour la stabilité et pour le développement du pays. Mais heureusement que le ridicule ne tue pas. Imaginez-vous si le ridicule tuait. Ça aurait résolu la moitié des problèmes économiques et sociaux du Maroc parce que la moitié serait déjà super. Ben écoutez, si vous n'avez plus rien à rajouter sur ce sujet, sur le sujet de votre fils. Pas dire, mais enfin, il vaut mieux passer outre, parce que passer à autre chose de plus sérieux, voir demain, construire le futur, ça suffit. C'est décevant. Ça, c'est décevant. En tout cas, on est de tout cœur avec votre fils Nasreddine Ziyane, qui a son procès. Et on tiendra au courant nos abonnés des avancées de cette affaire, de la médiatiser encore plus en vidéo. La chaîne aussi de Dounia Filali consacrera une vidéo sur le sujet, car c'est une affaire qui a été un peu enterrée, qui n'a pas été assez médiatisée à mon sens. On a évoqué ça avec votre fils Maître Ali Ziyane il y a quelques temps, lors de notre dernier entretien. Alors, si vous n'avez rien à rajouter, très cher maître, à ce sujet... Non, c'est... L'affaire de Nasser est tellement absurde, et les preuves concrètes que toute l'opération n'a pas existé, vous savez, je sais pas, ils ont même fait un faux au nom d'une société américaine. Et nous, on a amené l'original de la lettre américaine en disant la date, voilà, ils ont changé la date d'une lettre, ils l'ont... ils ont antérieurement daté, si vous voulez. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Sens de ce que vous dites, nous dit Dima Possible, donc une question assez intéressante avant de passer à notre deuxième partie de soirée. On parlera de l'actualité, des actualités, mais il y a une question intéressante. Il y avait des grand procès comme Hamza mon bébé et personne n'est sorti pour expliquer ce qui se passe. Pourquoi dans cette affaire, il y avait un grand responsable qui est sorti parler? C'est vrai ça. Hamza mon bébé qui a ridiculisé des centaines de Marocains et de Marocaines qui les ont humiliés, qui ont du chantage à grande échelle et aucun responsable n'a dit un mot. Et pour Ouéiba, tout de suite, le directeur central de la police judiciaire vient vraiment, sincèrement. Et il y a avant ça, il y a eu un communiqué du ministre de l'Intérieur.
Tout ça parce qu'elle a écrit au cabinet. Je vous écoute. On vous écoute. Il y a eu une coupure. Pardon, j'ai tout simplement dit que cette personne a entièrement raison. Mm-hmm. On ne s'est pas rendu compte de ça. Que pour l'histoire de Hamza, mon bébé, qui est quand même plus lourde que l'affaire de Waïma. Parce que quand même, c'est des centaines d'individus à qui ont été victimes de chantage, d'arnaque. Mais on a l'impression que c'est une affaire comme l'affaire Bouachrine, l'affaire de Wahiba, l'affaire de Hamza mon bébé. C'est des choses qui se ressemblent beaucoup au Maroc. Je veux dire que l'évidence ne peut plus être cachée. Je reviens sur l'ingénierie ou sur la crétinerie, comme vous l'appelez très bien. Ça saute aux yeux que cette manigance se répète et se répète sans fin. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de personne. Ils sont protégés. Ils se croient protégés. Ils se sentent protégés. Bon. Nous allons évoquer ça justement tout à l'heure par rapport à votre parti politique, à ce que vous pouvez faire pour le changement. On prendra le temps de discuter sur les solutions. Donc là, on a parlé un petit peu, entre parenthèses, des faits divers qui vous concernent ou qui concernent la DST, Monsieur Hamouchi, ou je ne sais quelle sorte de parasite qui nous a parasité tout à l'heure et qui continue. Ça nous fait de l'animation sur le live. En tout cas, c'est assez inédit comme situation. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions d'actualité. Nous allons évoquer quelques questions d'actualité. J'invite les abonnés à poser leurs questions autour de l'actualité seulement. À vous rappeler, voilà, je voulais dire deux mots. Vous vous rendez compte de l'effort qu'ils font pour cacher la vérité, hein? Ah, on le vit là tout de suite, en direct, ensemble, en live. En live. S'ils ne craignaient pas la vérité, ils la laisseraient. Je ne sais pas, Maître Zien, est-ce que vous avez sous les yeux le live, l'ordinateur, pour que vous voyez de quoi je parle? Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment. Ben vous le verrez en rediffusion. Voilà, sur le chat, il y a des centaines d'attaques, de trolls sur le... de gens qui viennent de Doubab électronique, comme on l'appelle, qui ne veulent pas laisser vous exprimer ou laisser les gens exprimer leur avis et poser leurs questions. Ils veulent gâcher le live, mais ils ne peuvent pas, bien évidemment, car on est des professionnels et on sait détourner ce genre de parasites. Donc, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va parler d'actualité, donc l'actualité qui vous intéresse. Si vous avez des questions pour Maître Zien, et n'hésitez pas à reposer votre question si je ne la lis pas tout de suite, car le chat défile assez vite. J'ai moi-même quelques questions que je vous poserai, Maître Zien. Et en fin de cette thématique-là, de cette partie, si vous voulez évoquer un autre sujet, évidemment, n'hésitez pas à l'évoquer à votre tour. Alors, la première question concerne le gouverneur de la Banque du Maroc, Abdeltef Jouhari. Oui. Ou Jouhari, je prononce peut-être mal son nom, a dit dernièrement que la corruption est une chose normale. Quelle réaction à ces propos? Non, monsieur Abdeltef Jouhari, le président de la Banque du Maghreb, de la Banque centrale, n'est ni un farfelu, ni un rigolo, ni un crétin, ni un gars qui souffre d'un déficit de formation. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il sait très bien que la lutte contre la corruption ne peut pas, à elle tout seule, résoudre les problèmes financiers que le Maroc va devoir affronter à partir de 2023. Il le sait, c'est un bon prévisionnel. Ce qu'il a dit est vrai. Pour lui qui n'est pas militant, c'est un gestionnaire de la finance et l'autorité financière par excellence. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on trouve des formules de financement intelligentes
pour sortir de la récession à partir de l'année prochaine, parce que je pense où il y aura le vaccin, où on sera tous morts, parce qu'il faut bien une solution à ce Covid-19. Donc, 2021, il y aura le vaccin, ou alors il y aura un miracle, alhamdoulilah, et ce vaccin va disparaître de lui-même, comme le prévoient beaucoup de voyantes à travers l'univers. Je l'espère moi aussi, je le souhaite, je ne suis pas cartomancier, donc je ne sais pas comment ça va finir, mais j'espère que ça va finir et qu'il s'affaiblit de jour en jour et que le corps humain s'adapte à ce Covid-19 et qu'on va, l'humanité va dépasser cette crise-là. Mais il y aura la crise sociale, et la crise sociale, il faut trouver des moyens de financement. Si pour la financer, vous prenez les pannes qu'il y a dans les banques ou dans les caisses de dépôt, vous allez paralyser l'économie. Et je m'explique. Parce que vous ne pouvez pas financer l'aide sociale pour les démunis, les malades, les chômeurs, les allocations sociales, les retraites. Vous ne pouvez pas les financer par un déficit budgétaire. Si vous le faites, la dette publique sera d'un tel niveau qu'il n'y aura plus d'État. Or, si vous prenez l'argent des banques et des épargnants pour financer cette aide sociale nécessaire, obligatoire, parce que les gens risquent de se révolter socialement s'il n'y a pas de l'aide. Vous risquez de pomper la masse monétaire au détriment de la relance économique. Cette situation-là ne se résoudra pas parce qu'en disant on va prendre des gens et ceux qui ont volé de l'argent, comme je le dis moi-même, ils vont nous le restituer et nous allons avancer grâce à la récupération de l'argent détourné ou volé. C'est pas vrai, il a raison, ce n'est pas une solution économique, on ne raisonne pas comme ça. On ne raisonne pas par la répression et par la justice. Il y a des propositions très sérieuses, je n'ai pas envie d'embêter vos abonnés, ni vous-même, parce qu'avec ce doubab électronique, il risque de s'en aller si je ne suis pas à les passionner. Mais enfin, mais quand même, il faut quand même le faire. Il y a une seule solution à laquelle amusant. Il faut qu'on réfléchisse. Je commence à s'habituer à eux. Donc, il n'y a pas de souci. Ils restent, voilà. Ils deviennent amusants. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que serait. Il faut obligatoirement qu'il y ait un emprunt d'État. Seulement l'emprunt d'État, il faut qu'il soit réservé à Banque du Maghreb avec un taux préférentiel le plus bas possible pour que la Banque du Maroc, parce qu'elle aura pris des bons du trésor de l'État marocain, va nous donner de l'argent frais avec lequel on va pouvoir faire face aux besoins sociaux et à l'aide humanitaire dont le pays a besoin après le Covid-19. Ce qui préservera l'épargne bancaire et privée pour la relance économique. Et de toute façon, si Banque du Maghreb emprunt sur le trésor public, prend des emprunts et donne des liquidités de trésor public, il n'aura pas besoin d'autorisation spéciale du Fonds monétaire international. Il ne l'aura pas, parce que c'est une activité totalement officielle de Banque du Maghreb. Ça nous permettra d'avoir les liquidités nécessaires pour faire face. Si, là, à ce moment-là, il faut qu'on soit honnête et strict dans la distribution de l'aide pour renforcer un certain nombre de produits, pour distribuer les allocations familiales, pour ne pas arrêter le paiement des retraites, pour venir en aide aux chômeurs et créer des situations sociales et financer des opérations sociales. En dehors, des finances et de l'épargne privée. Ça pourra se faire parce que le déficit budgétaire aujourd'hui, il est de 8%, mais demain, il sera à deux chiffres. Et vous savez que la règle d'or, ce n'est pas dépasser 3%.
Nous n'aurons pas, aucun pays, tout le pays, tous les pays du monde sont en récession, sauf la Chine, qui a encore un développement à deux chiffres. Elle est, alors que le monde entier est moins 2, moins 1, moins 4, moins 8. Eux, le développement de leur a donné une croissance plus 12 en 2020, et l'année n'est pas encore finie. Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine a plus de 750 milliards de dollars d'excédent de leur balance commerciale par mois, 30 jours, par mois. Ce qui fait des dizaines de milliers de milliards de dollars d'excédent. La Chine a un exemple, il ne faut pas oublier que dans les années 80, si je peux me permettre, juste pour souligner ce que vous dites, que dans les années 80, le Maroc était 20 fois plus riche que la Chine. Vous voyez la situation actuelle. Le Maroc était 20 fois plus riche que la Chine, et aujourd'hui, la Chine, dans peu de temps, la Chine dominera l'univers. Hein. Donc la seule solution, est-ce que vous voyez le même destin pour le Maroc? Non, impossible, impossible. On peut pas. On ne peut pas produire avec ce coût social et ce coût écologique. Hein. Vous savez, c'est le prix que paye la Chine pour sa balance commerciale, pour son excédent commercial, en coût écologique et en coût social, est énorme. Monsieur Zien, vous m'entendez? Le son, on n'a plus votre intervention. C'est le lien. Ah voilà, c'est revenu. Allô, vous m'entendez? Voilà, c'est revenu. C'était parti voilà. À un moment. J'ai cru que vous avez été enlevé par le doubab électronique. Voilà. Vous êtes encore avec nous. Le prix qu'il paye, le prix social payé par la Chine et le prix écologique payé par la Chine et le prix politique démocratique, le déficit de démocratie, la violation des droits de l'homme, des salaires très bas, une écologie qui part en ruine, des ruisseaux qui sont pollués, c'est énorme. J'espère que ça nous arrivera jamais. Or, il faut imposer à la Chine des règles. Il n'y a rien à faire. Ce qu'a essayé de faire Trump, Trump, bon, c'est possible. Par rapport aux impôts, par rapport... Il nous a rendu un grand... Ouais, bon, c'est... Il faut lui imposer chez elle un minimum de critères de démocratie, de droits de l'homme, de respect d'écologie, de respect de la classe sociale, des ouvriers, des allocations. Il faut lui imposer un système mondialisé de respect des droits économiques et sociaux d'une population et des droits écologiques à respecter et des droits humains à maintenir en Chine. Et vous savez, à ce moment-là, elle va produire beaucoup plus cher que maintenant et elle exportera beaucoup moins. Et les capitalistes qui essayent d'exploiter la Chine à leur avantage seront obligés d'aller voir ailleurs, ce qui fera que la richesse mondiale se distribuera autrement. Les déficits des autres puissances... Ceci dit, par rapport à la Chine, il y a une classe moyenne naissante. Il y a beaucoup d'évolutions, que ce soit même au niveau social, par rapport au chômage. Et la Chine... Et bien sûr, ça ne se discute pas. Bon, sur un milliard et quelques d'individus, le fait que vous ayez 100 millions ou 200 millions de riches ou de classe sociale aisée, ça veut dire que vous avez 80 à 90% de la population qui paye. C'est fort. On ne voit que le sommet de l'iceberg. On ne voit pas la face cachée de l'iceberg qui est beaucoup plus importante et plus grande et plus colossale. Donc, je parlais de l'obligation qu'a cet homme-là qui est une sommité dans les finances. Attention, c'est une sommité. C'est Arthur Zuhari dans les finances. Il faut pas. Il sait de quoi il parle. Il faut trouver des solutions. Ce n'est pas avec des farfelus
qui passent leur journée à penser comment voler le pays, mmh. ou quelle intrigue créer au Parlement, ou quelle loi faire voter, ou quelle loi faire annuler, pour continuer à rafler la mise, qu'on pourra sortir de la crise. Non pas la crise actuelle, de ce qui nous attend. De ce qui nous attend. C'est pour cela que je dis au peuple marocain, aux citoyens marocains, à l'électeur marocain, et là je passe en politique, et je m'excuse de profiter et de passer en politique. Je sais que ça gêne quelques-uns, mais c'est comme ça. Je ne vous demande pas de voter pour le parti marocain libéral comme un vote de sanction à l'encontre des pouvoirs actuels ou de ceux qui dominent les affaires ou les pouvoirs des centres de décision politique économique aujourd'hui. Je vous demande de voter pour le parti marocain libéral par conviction que le seul projet viable qui peut sortir le pays du marasme. C'est ça pourquoi nous avons un projet de société libérale au parti marocain libéral. On en parlera nous avons tout à l'heure avec beaucoup, on prendra notre temps. Nous demandons l'adhésion, nous ne demandons pas un vote sanction contre les autres. Je vais voter pour le PML parce que je vais sanctionner le PJD ou le RNI. Non, voter pour le PML parce qu'effectivement, c'est le seul parti qui a des programmes qui peuvent faire marcher les choses. Et c'est vrai, nous continuons à le dire, le Maroc retrouvera son sourire d'antan en moins de 10 jours. Croyez-moi, c'est possible. Bien sûr, la crise est difficile, le monde ne va pas se laisser faire, mais croyez-moi, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Et quand vous voudrez, nous sommes prêts à commencer le débat économique et social sur le projet de société libérale que le PML propose à l'électeur marocain et à l'ensemble des citoyens. On pourrait consacrer un live spécial, peut-être de débat, avec ce qu'on pourrait appeler un parti opposé ou seulement avec vous pour bien exposer aux francophones, en tout cas, quels sont vos objectifs en détail par rapport à tous les sujets. Mais je pense que ça pourrait être le sujet d'un live bien précis. Et par rapport à ça, justement, il y a une question qui revient très souvent sur nos chaînes par rapport aux gens qui veulent voter pour vous. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui sur le chat, qui sont un peu partout dans le monde, Canada, aux États-Unis, partout, et qui se demandent comment ils peuvent voter pour vous, car vous êtes vraiment très apprécié des Marocains, c'est une évidence. Malgré ce que certains veulent faire croire à d'autres, mais la vérité, on ne peut la cacher. Et surtout, des Marocains, beaucoup de Marocains de l'étranger, qui voient en vous, et Marocains du Maroc, bien évidemment, un espoir pour le changement, vu votre parcours, vu l'intégrité dont vous avez fait preuve durant toute votre vie. Donc, beaucoup se demandent comment voter pour vous à partir de l'étranger. Voilà, à partir de l'étranger, vous pouvez voter par procuration, c'est-à-dire que vous envoyez à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un dont vous avez confiance, vous lui envoyez la procuration pour qu'il signe à votre place et voilà, et il se présente avec cette procuration et votre carte de votant et il vote à votre place parce que c'est difficile de ramasser les urnes à l'étranger et il n'y a aucune certitude sur les votes parce qu'on ne peut pas contrôler la véracité du résultat. Donc la seule solution est celle-là. Bien sûr, il y a une autre solution, c'est se déplacer au Maroc pour voter. Elle est utopique, je le sais très bien. En tout cas, avec le Covid, n'est pas si utopique que ça pour le changement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec le Covid, est-ce qu'il y aura encore des restrictions au moment de voter? On parlera, si vous le voulez bien, des choses techniques pour faire cette procuration. Je vais marquer une courte pause, très cher maître, de quelques secondes, voire une petite minute, pour régler un problème technique, pour continuer l'entretien, si vous le voulez bien.
Donc, une petite pause musicale. Vous allez me rappeler, attends. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Voilà, les amis, on revient dans quelques secondes. Je vous laisse avec le générique. À tout de suite. De retour pour les amis. Hello, hello. On est de retour, les amis. Ça va, le petit Doubev? Ça va, les microbes qui nous attaquent d'un petit peu partout? Et voilà, merci à la modération, merci à Dounia qui, de son glaive, a décapité tous ces microbes électroniques courageuses qu'elle est, et aussi à nos nouveaux modérateurs. Alors, Mondalisa, Las Vegas, à toutes les personnes qui nous aident sur ce live où il se passe des choses vraiment inédites, étranges et assez incroyable, des centaines d'attaques de trolls politisés, donc ce qu'on appelle au Maroc le double électronique. Et cela sans aucune sommation, êtes-vous fier quand vous êtes une nation, faites-vous pouvoir et devenir votre religion. Voilà, message à ces Doubeb. J'ai fait moi-même une chanson qui parle de la corruption et qui parle de ce genre de personnage. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Lord ADN pour l'écouter et voir le clip. Nous sommes politisés pour justement aborder ces sujets-là, même si la politique n'est pas notre métier, nous intéresse pas. Mais quand il s'agit de ce genre de choses qu'il faut aborder, qui font que le Maroc est toujours en retard par rapport à ses voisins, par rapport à ses autres pays, nous pouvons politiser même la musique, pas seulement notre émission. On va rappeler, pas plus tard que tout de suite, et nous allons parler justement de politique avec Maître Zien, car beaucoup de gens se demandent comment voter. On va voir techniquement, c'est la question que je poserai à Maître Zien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les gens qui habitent à l'étranger, qui veulent voter, les Marocains de l'étranger. Oui, oui, Maître, merci d'avoir supporté cette petite interlude. Alors, je vous en prie. Nous allons aborder, si vous le voulez bien, le sujet technique qui est demandé par énormément de gens, de comment voter à l'étranger. Vous avez parlé de deux solutions, prendre l'avion et venir voter. Ok, très bien. Mais la première solution, celle de la procuration, est-ce que vous pouvez détailler la chose? Car c'est vraiment quelque chose qui vient très souvent sur ma chaîne, sur la chaîne de Dounia, sur nos confrères YouTubeurs. Oui, voilà. La procuration peut être retirée dans les consulats marocains. J'espère que cette fois-ci, la loi permettra à ce qu'on puisse faire une procuration soi-même. Seulement, il faut qu'elle soit bien sûr légalisée. Et la légalisation, dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Donc, ça doit être légalisé dans le consulat, c'est-à-dire
se déplacer au consulat, ce qui pose un problème de temps et d'argent. Mais il y a une autre formule. Il y a une autre formule pour atteindre la victoire. Car la victoire ne s'atteint pas par le fait de voter, mais surtout par le fait de faire voter. Faire voter. Il faut dire aux gens d'aller voter. Et là, la communauté marocaine à l'étranger jouera un rôle déterminant dans au moins 5 ou 6 régions du Maroc, dont le Nord, Chaouia, le Sousse, puisque de toute la région du Sud, qu'il s'agisse de Rachidier ou d'Agadir ou de Tizi, parce que les gens sont nombreux à l'étranger, dans la région de Meknès, parce qu'il y a beaucoup de gens de Meknès qui se trouvent dans le sud de la France, et à la Hague, parce que beaucoup de gens de cette région-là se trouvent en Angleterre. C'est en demandant de l'étranger aux Marocains de voter, et parce que ces Marocains ont, les Marocains de l'étranger ont une grande crédibilité aux yeux de la population marocaine, parce que du moment qu'ils sont à l'étranger, on sait que ce n'est pas, qu'il n'a pas encaissé et qu'il ne le fait pas par cupidité ou qu'il ne le fait pas par peur parce qu'on ne l'a pas obligé. Hein? Alors que si des gens de l'intérieur vous demandent de voter, il y a toujours une méfiance. Mais les Marocains de l'étranger, l'électeur ne se méfie pas de ce que lui disent les Marocains de l'étranger. Et surtout ceux qui réussissent. Et je considère que tout Marocain qui s'est maintenu dans la pensée, dans l'analyse, dans l'information, dans la communication, dans la politique, est un influenceur et peut convaincre l'électeur marocain. D'accord. Donc vous suggérez que les gens suggèrent à leur tour d'aller voter, c'est-à-dire les Marocains de l'étranger puissent communiquer avec leur famille au Maroc. C'est vrai que moi, me concernant, c'est la première fois où je me dis peut-être que il est possible de changer les choses avec votre personne. Très sincèrement, je ne suis pas politisé. Mais vu la médiatisation que vous avez eue ces derniers temps, on se dit que votre personne, justement, intègre, peut être intéressante à pratiquer en politique, on va dire. Donc, pourquoi pas ? Vous êtes quand même trilingue, vous avez déjà été aux commandes, on va dire. Et beaucoup de gens ont la même, des francophones ou des gens, les Marocains, on va dire, de l'étranger, sont presque, on va dire, unanimes vous concernant. Pour les Marocains du Maroc, je ne sais pas. Mais pour les Marocains de l'étranger, comment vous expliquez ce soutien des Marocains de l'étranger en masse? Après, il y a beaucoup de Marocains du Maroc qui vous soutiennent aussi. Mais d'après ce qu'on a eu aussi comme retour, il y a presque une unanimité des Marocains de l'étranger vous concernant. Comment vous expliquez ce fait-là? Parce que c'est le fruit du sacrifice et c'est le fruit de la vérité. Vous savez, je vous dis, ici au Maroc, on peut mentir, on peut déformer la vérité, mais à l'étranger, il n'y a aucune mainmise des autorités sur la pensée. Ils sont totalement absents, hein. Ils n'ont aucune influence sur la population et les communautés marocaines. Et la communauté marocaine d'étrangers observe. Elle observe et l'analyse, et puis elle se rend compte. Se rend compte. Si vous voulez, l'analyse est perturbée et brouillée par la pression économique, le besoin, les intérêts. Vous savez, c'est simplement voulu être candidat au conseil de l'ordre des avocats de Rabat pour pouvoir me présenter à la présidence de l'association des barreaux du Maroc. Ils m'ont interdit carrément, ils ont pris une décision.
on vous interdit de vous présenter aux élections, que je vous le dise. On reviendra à la politique un peu plus tard sur le live. Ça, c'est du professionnalisme, c'est tout simplement pour améliorer la qualité du service rendu par les avocats, les contrôler, les surveiller leur honnêteté, défendre le client, lui venir en aide, lui imposer les règles de contrôle et de moralité. C'est vraiment pas de la politique, c'est rendre service. La seule chose qu'ils ont dit, s'il vous plaît, vous non, on ne veut pas de vous là-dedans parce que vous risquez de dévoiler les intrigues et les malversations. Oh, tant pis, hein, que je vous dise. Tant pis. Vous savez, Dieu n'a pas créé un homme supérieur au système. Hein. Moi, je ne peux pas vaincre tout un système. Le système m'écrasera. Mais heureusement que les adeptes sont de plus en plus nombreux. Et que les gens se réveillent de jour en jour. Les gens agissent pour me défendre. Et je leur suis totalement redevable de ce qu'ils m'offrent comme soutien et comme protection. Écoutez, nous reviendrons aux questions politiques un peu plus tard. On va rester sur l'actualité. J'ai deux questions pour finir cette thématique. Alors, voilà, c'est quelque chose encore très chaud. Les États-Unis, à travers Donald Trump, ont reconnu le Sahara marocain, en même temps que le Maroc a reconnu Israël. Alors, pour vous, est-ce que c'est un hasard du calendrier ou un échange de bons procédés? Voilà, là vous avez posé deux questions. Un, la déclaration du président sortant, on aurait voulu qu'il le dise au début de son mandat et non pas à la fin de son mandat, parce que dans un mois maximum, il présentera beaucoup moins que le présente Barack Obama ou Clinton ou les Bush actuellement aux États-Unis qui quand même ont leurs accès aux universités, aux think tanks, aux grands débats publics qui concernent l'avenir du monde et de l'humanité. Je ne crois pas que Trump en fera partie, mais enfin je lui remercie du geste qu'il a fait. Il a quand même rappelé la déclaration présidentielle qui existe depuis toujours, mais à un moment donné, elle a été oubliée, que les États-Unis considèrent que le plan d'autonomie proposé par le Maroc est réaliste et c'est la solution la plus valable devant la situation actuelle entre le Polisario et le Maroc. C'est-à-dire entre le Polisario et le reste des tribus de Sakhiyat al-Hamra et Wadi al-Dahab, Rio de Oro et Sakhiyat al-Hamra, la rivière Rouge et la rivière Tar, qui se trouve au sud de Tarfaya et qui est administrée par la puissance coloniale franquiste jusqu'à la fin de la mort du dictateur, et qu'avec le démocrate Juan Carlos, qui a instauré la démocratie en Espagne, ce colonialisme est parti. L'administration a été donnée au Maroc, grâce à Dieu. Dans un premier temps, aux Mauritaniens et aux Marocains, puis après les Mauritaniens se sont désistés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le coup de cette administration. Maintenant, il est sous administration marocaine et les États-Unis considèrent que le plan proposé par le Maroc d'une autonomie élargie est réaliste et il faut s'asseoir autour de ce plan-là pour résoudre la crise de ce qu'ils appellent eux le Sahara occidental et que moi j'appelle Rio de Oro, les provinces de Rio de Oro et de Sakhiyat al-Hamra. C'est gentil de sa part, c'est
il faut applaudir à cette déclaration présidentielle. Elle est venue en fin de mandat. Nous le savons, mais elle est bienvenue parce que même quand vous allez devant un magistrat et qui vous donne raison parce que vous avez raison, ils disent parce que vous êtes propriétaire d'une maison et que vous êtes à la conservation foncière et que le titre est à vous et qui vous dit oui, vous êtes propriétaire de cette maison, même s'il n'a fait que vous reconnaître vos droits, l'évidence de vos droits, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Ça, sur ce côté-là, nous n'avons rien à dire. Nous espérons que le président élu, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, ordonnera au State Department, à la diplomatie américaine, surtout aux Nations Unies, d'aider dans ce sens-là. Et qui ne va pas retarder les opérations de l'influence que peut exercer les États-Unis, surtout sur le monde occidental. Bien sûr, la Russie, on a vu ce qu'elle a été sa réaction. La Chine, bon, on verra bien qu'est-ce qu'elle décidera. Et la France, elle est entre les deux, mon cœur balance. Mais j'espère qu'elle va cesser de s'asseoir sur deux chaises et qu'elle va enfin choisir la chaise finale sur laquelle elle va poser ses deux fesses au lieu d'avoir une fesse dans chaque chaise. Mais est-ce que Trump, la reconnaissance des États-Unis équivaut à une reconnaissance de l'ONU? Je veux dire, on a divisé les deux questions. Mais concernant le Sahara marocain, est-ce qu'elle est valable? Parce que Donald Trump reconnaît. Non, elle est valable parce que. Non, mettons-nous d'accord. La souveraineté territoriale, la souveraineté du Maroc sur les territoires de Hamra et Rio de Janeiro ne peut être prononcée que par les Nations Unies. Bon, ça c'est, il ne faut pas quand même nous mentir. Mais c'est très important que le président, même si c'est le président sortant, avant de s'en aller, qu'il dise, messieurs, la vérité, c'est que le Sahara appartient au Maroc. Déjà beaucoup. C'est beaucoup, oui. La plus grande puissance mondiale. C'est quelqu'un qui parle. Non, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui s'en va. Si nous sommes intelligents, on va faire comprendre au monde. C'est parce que quand il était au pouvoir, il y avait trop de pression et qu'il y avait trop d'intérêt, il ne pouvait pas dire la vérité. Mais maintenant qu'il n'est plus président, qu'il s'est déchargé de la charge publique, et qui peut enfin dire la vérité au monde, il a dit, la vérité citoyenne de l'univers, l'humanité, je dis à l'humanité, et je dis aux citoyens du monde, le Sahara est marocain. Non, même s'il va partir, avant de partir qu'il l'ait dit, c'est très 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 bien, indiscutablement. Mais ça reste un président sortant qui reconnaît une vérité éclatante et évidente. Je crois qu'il faut pas. Il faut être très réaliste, très prudent et très correct. Ça, c'est ça. Rien de plus, mais ce n'est rien de moins que ça. C'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Maintenant, aux Nations Unies, on verra d'abord au président élu de savoir ce qu'il va faire dans ce dossier-là et à la diplomatie américaine de nous aider à avancer dans ce processus d'autodétermination. Mais de toute façon, la proposition marocaine a obtenu un soutien important, même si vous me dites un président sortant, mais quand même un président qui était à la tête des États-Unis, qui est la première puissance du monde, et qui vous dit carrément, vous savez, c'est parce que je m'en vais que je peux le dire, et ben je vous le dis, ça suffit, le Maroc, vous êtes en train de faire souffrir, le Sahara est à lui. C'est bien, ça m'est complètement... Même si un juge aujourd'hui, à la veille de sa retraite, il dit tel procès est une criminalité et M. Tel a été mal jugé, ça me suffit. Même si vous pouvez me dire ça ne va rien changer. Ben oui, ça ne va rien changer, mais moralement, c'est très, très, très important. Oui, moralement, moralement, c'est vrai que ça a son impact sur la population marocaine et peut-être même sur le dossier... Sur le monde. C'est à la diplomatie marocaine de savoir présenter les choses dans un beau visage, par le plus beau visage possible. C'est que oui, c'est un président sortant,
Oui, il n'est plus au règne. Oui, il n'est plus chef de la diplomatie. Oui, ceci n'engage pas. Mais quand même, avant de partir, il a annoncé la vérité. Voilà. Aux autres, à Biden de venir et dire, bon, la vérité étant dite, je m'incline devant la vérité. Au lieu de commencer à tergiverser avec l'Algérie, la Russie et le reste, et les pays africains. Non, c'est vrai, Trump, avant de partir, a dit une vérité. Il faut s'en tenir à cette vérité. Ça suffit, ces gens-là, c'est leur territoire. Alors, vous avez gagné parce que l'Algérie vous a armé et vous a financé. Vous avez gagné l'autonomie avancée. Mettez-vous à table et discutez le projet d'autonomie. Ça suffit le référendum, ça suffit le reste des instruments. Il y a une seule ligne droite. La ligne droite, c'est l'autonomie avancée. Mettez-vous à table et négociez les points de l'autonomie. Alors là, C'est vous très, très rebondissez sur important de se le fait de Trump. Ma question, je la reprendrai tout à l'heure. On va étayer parce que vous le voulez bien et pourquoi pas. On a le temps. On est là pour ça. Et si vous pouvez réagir aussi à l'information, et j'essaierai de relier encore une fois les deux à Israël. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai vu le président, le premier ministre israélien, qui a été très satisfait, évidemment, de la chose. Exactement, Daniel. exactement. Alors, Et on va évidemment, répéter tous le deuxième. nos, si je peux me permettre juste, nos frères juifs marocains, je pense aussi qu'ils sont apaisés par cette histoire, et peut-être que d'autres Marocains seront satisfaits de ces nouvelles relations, peut-être de nouveaux projets pour les affaires, le business. N'oublions pas qu'Israël est une méga puissance internationale. Donc voilà. Et puis d'autres voient ça d'un autre œil. Je ne suis pas là pour donner mon avis, dire que c'est bon, c'est mauvais. Je vous demanderai juste ce que vous pensez de ça, parce qu'au fait, tous les pays du monde reconnaissent Israël, à part quelques pays du tiers-monde ou des petits pays. Pardon. Donc, je veux dire que les. On vous a réussi. Et voilà, juste une chose, D'accord. Alors maintenant, une petite parenthèse revenons par au rapport à cas. Israël, et je vous reposerai ma question. Alors, par rapport à Israël, qu'est-ce que vous pensez que le Maroc reconnaisse l'État d'Israël? D'abord, voilà, on va maintenant parler avec la même crudité que je vous ai parlé de la déclaration présidentielle. Le problème n'est pas de connaître Israël, mais pourquoi nous nous cachons la face? Pourquoi je vous dis, j'ai envie de convaincre? C'est très simple. Le problème, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est pas vrai. Qui est contre la reconnaissance d'Israël? Malgré tout, même si je ne reconnais pas le droit à Israël, à territoire, je reconnaîtrai l'État d'Israël. Mais il y a un préalable. Qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Vous-même, vous m'avez dit, il y a des centaines. Attends, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Non, je Il y vous a en des prie, non, je vous écoute. centaines de pays qui. Il y a des centaines de pays qui reconnaissent Israël. Pourquoi pas nous? Mais il n'y a aucun pays qui reconnaît l'État de Palestine. Le problème est là. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Il faut que l'État de Palestine voie le jour et que l'État de Palestine soit membre des Nations Unies. Pourquoi il faut que l'État de Palestine soit membre des États-Unis, des Nations Unies? Pour que l'Israël ne puisse plus faire des invasions. Pour qu'à ce moment-là, si jamais l'armée israélienne entre en territoire palestinien, il lui arrivera ce qui est arrivé à l'Irak, au Koweït. Elle aura la tannée de sa vie et le Conseil de sécurité lui donnera une tannée pour qu'elle n'aille plus embêter les Palestiniens. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Et puis bien sûr que nous allons reconnaître en échange l'État d'Israël, mais qui dit le contraire? Mais il faut reconnaître l'État de Palestine. Et bien sûr, vous parlez à quelqu'un qui était aux affaires à l'époque où Shimon Peres est arrivé en Israël. D'ailleurs, je le dirai, c'est moi qui a informé l'AFP, l'agence France-Presse, qui était chargée d'informer l'agence France-Presse par l'intermédiaire de quelqu'un, Baytar, j'ai oublié son nom, qui est décédé.
C'est moi qui ai informé l'AFP que Shimon Peres était en Ifrane. Mais, bien sûr, comme disait Hassan II, nous allons faire des déclarations. Vous allez reconnaître l'État de Palestine. Et l'État de Palestine doit être membre des Nations Unies. Ce n'est pas un membre adhéré à l'observateur, membre des Nations Unies. Et nous allons écarter de la discussion le problème d'Al-Quds, d'Al-Yerushalayim, d'Al-Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds. Nous allons l'écarter totalement de la discussion. Et nous allons voir quelle est la solution. Je me rappelle que Hassan II avait visité le pape et que le Vatican était d'accord. Que le problème d'Al-Quds, on a dit Yerushalayim, est un problème très complexe et compliqué parce qu'elle est la capitale des religions divines. Et que la religion israélienne, la religion chrétienne et que la religion musulmane doivent se réunir pour discuter des droits du culte, des droits du culte, aussi bien les musulmans sunnites que chiites, aussi bien les catholiques que aussi bien le Vatican que l'Église orthodoxe et les Israéliens, c'est-à-dire ceux de confession juive, qui est le vrai problème du débat, parce que la majorité des gens qui représentent l'autorité religieuse juive ne reconnaissent pas Israël. Vous dites qu'Israël est contraire à la volonté divine. Mais le problème est très complexe et compliqué. Tout à fait. Pour revenir, si je peux me permettre, pour revenir au Maroc, parce que je pense que les relations, enfin, je vous demande surtout, je pense que c'est une réalité, existait déjà avec Israël. Ce n'est qu'une sorte Le Maroc a officialisé quelque part une relation secrète, voilà, qui n'était pas grand jour, mais il y a toujours eu des... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais je vous ai dit, ce n'est pas le problème d'Israël qui pose débat, qui pose question. C'est pas la reconnaissance d'Israël, c'est la reconnaissance Palestine. De la Palestine. Quel est le pays occidental qui a reconnu Palestine et Abdullah? Nous sommes prêts à reconnaître Israël. Il faut un préalable, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce que le Maroc reconnaît la Palestine? Est-ce que le Maroc reconnaît la Palestine? C'est une question que je me pose. Mon inculture ne peut me permettre de répondre. Non, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Si cet État n'est pas membre des Nations Unies, il n'existe pas quand même. Oui, ils ont ce raisonnement. C'est pas un État internationalement reconnu. Donc il faut que Palestine soit membre des Nations Unies. Que ça se fasse simultanément avec la reconnaissance des pays arabes à l'État d'Israël, c'est peut-être possible, c'est jouable. Mais il faut reconnaître l'État de Palestine, Ibadullah. Et je vous ai dit, je vous ai donné des secrets. Je vous donne la pensée profonde de Hassan II concernant ce dossier, parce que c'est lui qui l'a monté. Et c'est sa grande. Et c'est pour cela que le jour de son enterrement, il y avait tout le monde. Bouteflika, les Israéliens, ceux qui commandaient, ceux qui avaient quitté le pouvoir. Il y avait les anciens présidents des États-Unis, les nouveaux, leurs familles. Il y avait toute l'Europe. Il y avait. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'artisan, avec Ahmed Rida Gira, qui était l'exécuteur, qui lui était l'homme de confiance, pour la reconnaissance de l'État d'Israël en échange de la reconnaissance de l'État de Palestine. On avait dit que le Quds aurait un conseil municipal attribution élargie, ou que les gens qui sont arabes, musulmans, ou juifs, ou israélites, on s'en fout. Vous votez, vous montez au conseil de municipal et vous essayez de résoudre les problèmes, ce qu'on appelle du quotidien et de la vie en société au quotidien. Et pour les relations anonymes de la société, pour les relations anonymes des citoyens dans une société, eh ben à ce moment-là, ça peut être considéré d'une manière ou d'une autre. La population israélite dépendra de la loi que votera la Knesset et la population non israélite dépendra de la loi que votera le Parlement palestinien. Donc là, vous défendez dans le débat public la Palestine. C'est vrai qu'il n'a pas été très évoqué dans le débat public. Juste
Une petite chose, pour sourire un petit peu, Dounia Filali a souligné, alors, pour éviter Doubab électronique qui nous ont attaqués depuis tout à l'heure, qui se sont calmés depuis quelques instants, il ne faut pas parler de Hamouchi et de, excusez-moi, et de Wahiba, et tout va bien. Ça m'a fait bien rire. C'est vrai que certains sujets ne les intéressent pas, comme la Palestine, Israël, enfin des sujets un peu plus. Bien sûr, l'avenir du monde, la sécurité effective, la stabilité de notre pays, nos relations dans le monde, ça n'intéresse pas la DST. Mais c'est ça la vérité. La DST, ce qui nous intéresse, c'est de mettre la mainmise, de mettre à genoux toute une population. Et c'est pour ça que je suis contre cette politique, cette police politique. Alors, je reviens, parce que je vous donne des choses qui sont très, très sérieuses. Allez-y, monsieur. Allez-y, On a maître dit, Zien. On vous écoute. on a proposé à Isaac Rabin, et c'est pour cela qu'il a été tué, mais on a proposé aux Juifs qui le voulaient, et on a travaillé, et Hassan II, qui a de très grandes relations avec les Juifs de Palestine, ou les Juifs d'Israël, ça m'est complètement égal. Je n'ai aucun complexe. Moi, je n'ai aucun complexe dans la reconnaissance d'Israël. Fatih Fleur Mais nous je ne peux dit, pas. excusez-moi, encore une touche humoristique, Fatih Fleur nous dit, on n'a rien à gagner avec les Palestiniens. Ce qui n'est pas faux économiquement. Après, bon. Qui a dit ça? C'est un trait d'humour d'une abonnée, d'une de nos abonnées. Ah non, Un humour un peu noir, on va savez dire. Un que c'est ça. petit peu Non, non. provocant, mais voilà. Mais Provocateur, on si va on dire. savait, si on savait qu'en essayant de résoudre le problème du Moyen-Orient, nous allons gagner en stabilité une possibilité énorme. Il faut pas vous faire d'illusions. Tant que ce problème-là n'est pas résolu, nous sommes Mais sur une revenons, poudrière très cher et ça maître, peut. revenons à la question principale, parce que là, on a bien entendu votre position sur le sujet, votre positionnement. Vous avez évoqué la Palestine, une chose qui n'a pas été évoquée par tant d'autres. Et c'est vrai que dans le débat, on a peut-être écarté la Palestine de ce sujet. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question, car elle est marocaine, même si elle est internationale, parce qu'elle Exactement. concerne le Maroc, Okay. c'est ma question est très claire. Donc, est-ce que les États-Unis, à travers Donald Trump, ont reconnu le Sahara marocain en même temps que le Maroc a reconnu Israël? Donc ça, c'est un fait. C'est deux informations qui sont sorties en même temps, qui ont été traitées en même temps. Ce que je vous demande, à votre avis, est-ce que c'est un hasard du calendrier ou un échange de bons procédés? Ça, sincèrement, c'est au Polisario de répondre. Parce que si le Polisario dit être arabe, hein, ont servi au fait d'obliger l'État marocain à reconnaître Israël, c'est que c'est vraiment des traîtres à la cause arabe et qu'ils n'ont rien d'arabe. C'est des simples mercenaires opportunistes et Khalil Issaket, parce que je ne veux pas être grossier. Mais c'est des arrivistes de la dernière classe. Hein. J'espère qu'il va sortir bientôt en communiquant en disant j'ai rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Et que, la vérité, vous savez, si maintenant le Polisario veut monter en estime, il devrait se dissoudre en disant moi, si je suis la cause d'une reconnaissance de l'État d'Israël, je vais me dissoudre. Je vais me dissoudre dans la nature. Je présente mes excuses au peuple, à tous les peuples arabes. Parce que là, si vraiment on reconnaît publiquement qu'un peuple arabe a servi à imposer à une nation arabe la reconnaissance d'Israël, c'est que vraiment l'Algérie, hein, non seulement elle va tomber aux yeux du monde arabe, mais que c'est vraiment, elle va apparaître comme la traîtresse de la traîtrise. C'est-à-dire qu'il y aura le mot traître. Devrait être changé. Traître veut dire quelqu'un qui de temps en temps change d'avis. Mais pour dire que quelqu'un c'est un traître, il faut dire que quelqu'un est Algérie. Algérie doit être synonyme de la grande trahison irrévocable. Non, ça c'est très grave. Et moi je ne dis pas les deux choses
ne sont pas liables, parce que de toute façon, dans la pratique, une chose n'a rien à voir avec une autre. Mais dans la politique, d'accord. Évidemment, tout est possible. Dans la politique, on ne fait que supposer, vu le calendrier. Bien sûr, dans la politique, tout est possible. Après, c'est des films porno qui sortent maintenant de la police marocaine ou de la justice. Tout est possible, d'accord. Mais il y a une morale quand même. Il y a une morale. Mais par rapport à quoi exactement? Parce que là, on parle juste d'un calendrier de Trump qui, en même temps, reconnaît le Maroc et qui, le Maroc, le même jour, reconnaît Israël. On est en droit de se demander est-ce qu'il y a des accords entre le Maroc qui ont été faits tout bonnement, ce qui n'est pas quelque chose d'illégal ou d'immoral ou de... Pourquoi pas? C'est une question que je vous pose. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quelle est la question? Concrètement, quelle est la question en 5 mots, là, dans 2 mots? La question, est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, est-ce que c'est un hasard du calendrier ou un échange de bons procédés? Le fait que Donald Trump reconnaisse en même temps le Sahara marocain et que le Maroc, le même jour, reconnaisse Israël, tout simplement. Est-ce que c'est un hasard ou, à votre avis, hein, ou c'est un échange ou quelque chose de politique qui a été mûrement réfléchi, tout simplement? Ce n'est ni mauvais ni bon, c'est juste... D'abord, le Maroc n'a pas reconnu Israël, parce que ce n'est pas le roi qui reconnaît Israël, ni Trump, hein, on se met bien d'accord. Mm-hmm. La reconnaissance d'un État relève du pouvoir constitutionnellement du pouvoir législatif. Hein, donc on verra bien ce qui va se passer dans les chambres, et surtout dans les élections prochaines. Hein. On souhaiterait que ce débat ne soit pas posé dans les élections de juin prochain. Je l'espère et je continue à dire que le problème, qu'aucun Marocain, je vous le dis, d'abord notre position à nous, on s'en fout, ça c'est du jeu politique, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça... Bon, on a décidé d'ouvrir... Mais les avions vers Israël arrivent tous les jours, hein, comme fait, si on ne les voyait pas. Oui, on est oui, tout à fait. Et ça existe longtemps. La com avec la réalité. Israël ne peut être reconnu par aucun pays arabe qui se respecte qu'à condition qu'elle reconnaisse d'abord l'État de Palestine. Parce que, écoutez, Assad, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que nous avons, nous, à offrir à Israël? Je vous le dis, qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir? Qu'est-ce qu'on a à offrir? C'est la reconnaissance, on n'a pas autre chose. On a un échéhajokra. On n'a rien, on a la reconnaître. Reconnaître Israël. Si vous la reconnaissez en échange de rien, vous l'aurez reconnu en échange de rien. Nous ne pouvons reconnaître, quand vous dites maintenant, et ça c'est pas moi, c'est Shimon Peres, qui est pourtant un homme de paix, l'a dit, et sinon je ne sais pas s'il est encore vivant ou non, il n'a qu'à me contredire. Il a dit, qu'est-ce que j'ai à faire? Déjà les Arabes sont prêts à reconnaître Israël. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un préalable de la reconnaissance de l'État de Palestine? La seule chose que nous avons à donner à Israël, c'est la reconnaissance. On ne peut pas la lui donner sans avoir en contrepartie la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est le jeu politique qui devrait être fait, comme vous dites, c'est-à-dire par rapport à la Palestine. Mais bon, après, il y a... Voilà. Pour moi, une déclaration d'un président sortant, j'applaudis, la reconnaissance d'Israël. Avant qu'elle ne reconnaisse Israël, je suis contre. Maintenant, je n'ai aucun complexe. Je suis prêt à reconnaître l'État d'Israël dès qu'il reconnaîtra l'État de Palestine. Ok, très bien. Et qu'il se mette d'accord sur les frontières. Là, c'est clair. La réponse est très claire. Et par rapport au sujet, je prendrai une intervention de Dounia qui veut poser une question. Le jeu diplomatique qui le fasse. Pardon. Maintenant, le jeu diplomatique qui le fasse. Quand est-ce que commenceront les relations? Ils ont commencé, oui, ta question? Ah, ils ont commencé donc les relations diplomatiques entre les deux pays, précise Dounia, entre Israël et le Maroc. Donc ce n'est pas seulement une reconnaissance de l'État d'Israël, mais une collaboration diplomatique. Voilà, donc c'est une intervention de Dounia. Alors, vous voulez conclure sur ce sujet ou on passe à la prochaine question?
Maître Zien, je vous écoute. Donc il y a une coupure apparemment et un silence qui se fait là d'un coup. Donc je vais relancer le logiciel. Les amis, un petit court instant. Voilà, donc on va passer à la question suivante, les amis. Juste un instant, on va rétablir la connexion avec Maître Zien. Si vous le permettez. On a été coupé d'une manière assez abrupte. Je pense que c'est revenu, c'est en train de revenir. Alors la régie, si elle peut m'indiquer si le live est OK par rapport à la diffusion du direct, très bien. D'accord. Donc là, on va reprendre. Allô, allô? Ah, la communication a été coupée. Allô? 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 Oui, nous avons été coupés. Voilà, On a été coupé. le Oh, sujet était merde. houleux. Donc, on peut imaginer des coupures internationales. Après le doubeb marocain, on a le doubeb du Mossad. Non, non, mais moi, voilà, tout simplement finir par dire, il faut être clair dans la vie pour ne plus avoir à se trahir mutuellement. Et il faut être clair dans notre langage. Avec tout le monde, c'est la meilleure des choses. Bah, Votre position vous honore maintenant, par rapport à la on Palestine, n'est pas en train justement. de jouer. Ce n'est pas un jeu de poker, ni un jeu de roulette. Ici, il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont. Point final. Ici, ils veulent. Je n'ai rien à cacher. Et les choses sont claires dans mon esprit. Peut-être que je ne sais pas les exprimer sur autre chose. En tout cas, parfait. Donc, on a votre position sur le sujet. On va passer encore à un sujet très houleux. Et je pense que ça sera la dernière question sur l'international. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin chinois, Maître Zien? Et seriez-vous prêt à le tester ou à l'utiliser vous-même? Non. Non, 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 moi je n'utiliserai pas jusqu'à ce que je sache exactement. Moi je suis pas un scientifique. Je suis pas un scientifique, donc je n'ai aucune opinion à exprimer. Maintenant, je vais passer aux autres. Et si je vois que le vaccin Fonctionne. ne perturbe pas leurs organes, je le prendrai, mais j'avancerai, je ne serai pas à l'avant-garde. Vous ne trouverez pas l'avant-garde pour le vaccin. Ni chinois, ni américain, ni portugais, ni hollandais. Hein, concernant, c'est pas parce qu'ils viennent de Chine. Je n'irai pas me vacciner avant de savoir ce qui s'est passé aux autres. Ah, je m'excuse d'être sincère. Et Vous êtes je suis peut-être donc égoïste. prudent sur cette question. Bien sûr, il y a des mesures prudentielles qu'il faut prendre. Non, parce que je suis pas un scientifique, donc Tout à je ne fait. sais rien. Il faut savoir comment il est fait, par qui il est fait, comment il a été testé, quel est son historique, quelle est sa composante. Et moi, je ne m'y connais pas. Hein, je te dis. Maintenant, si les scientifiques le certifient et que je vois qu'effectivement ça marche, ben, je le prendrai. Mais je n'irai pas me précipiter avec l'idée
donnez-moi vite le vaccin, je n'ai pas envie de mourir. Non, je préfère mourir que qu'il y ait un organe qui ne fonctionne pas et que je commence à ne pas jouir de la vie. Écoutez, c'est, je trouve votre réponse pleine de bon sens et on entend souvent dans les médias d'autres réponses qui ne vont pas dans ce sens qui est pour moi et pour la plupart des êtres humains logique. Alors, notre question, là, on va finir avec l'actualité. On est à la 7e question. Nous allons évoquer l'avenir maintenant. Mais avant, nous souhaiterions peut-être un peu plus vous connaître et revenir très brièvement sur votre parcours. D'où vient cette motivation pour défendre les causes nobles, les causes grandioses que sont celles de la liberté et des droits fondamentaux ? D'où vient cette motivation pour vous ? Votre personnalité a été construite, votre réputation par rapport à certaines causes, celles de la liberté et des droits fondamentaux. Les exemples sont nombreux. Bouachérine, Zefzafi, Lehar Durif. Il vous aura fallu du courage, vous et aussi votre équipe, Maître Ali, votre fils que je salue, qui combat aussi à vos côtés pour vous positionner comme le combattant contre l'oppression au Maroc. Pourquoi ne pas avoir choisi la voie facile du confort bourgeois comme tant d'autres avocats stars qui, pourtant, militaient à vos côtés il y a quelque temps. J'ai failli citer l'avocat Bouachérine, mais je ne le ferai pas. Oui, non, avant de vous dire, comment vous expliquer moi, j'étais ministre, j'ai démissionné parce qu'il y avait une campagne d'assainissement et je trouvais que c'était un scandale. Je crois qu'à cette époque-là que j'ai connu votre papa. Mmh. Après avoir démissionné du gouvernement. Non, je ne suis pas un type qui se laisse séduire par la dictature pour plusieurs raisons. D'abord, il faut pas oublier que j'ai été gâté par les pays de l'Est en ce qui concerne la formation idéologique parce que j'ai milité dans la plupart des partis communistes. Aussi bien de Suède que le Parti du Travail en Suisse, que le Parti communiste espagnol, et le Parti communiste marocain. Donc j'ai beaucoup cru à cette forme de gouvernance et à cette idéologie. J'ai beaucoup évolué parce que je me suis rendu compte que le communisme ne menait à rien et que c'est la liberté qui faisait réussir les gens. Et l'histoire m'a donné raison parce que c'est ce qui s'est passé. Où est l'URSS, où est la Chine communiste, où est tous les dictateurs du monde, ils sont bien derrière nous. L'Espagne actuellement sans Franco, le Portugal sans Salazar. On reviendra justement, j'ai une question par rapport à ça qui sera très intéressante. Aussi, faire un parallèle avec le Maroc, évidemment, parce que c'est le pays qui nous intéresse fondamentalement. Avant de parler de ce que vous voulez apporter aux Marocains, oui, je vous en prie, Maître Ziyane, allez-y. Je crois à la liberté, je crois, c'est très... Quand vous reconnaissez la liberté aux autres, parce que reconnaître la liberté, ce n'est pas se l'attribuer à soi-même. Ça n'a aucun sens. Les gens qui disent, moi, je crois aux droits de l'homme et je défends les droits de l'homme. Est-ce que vous défendez les droits de l'homme contre vous ou à votre avantage? Si c'est juste parce que vous voulez bénéficier des droits de l'homme, c'est pas la peine. Les droits de l'homme veut dire donner à l'autre son droit. Non pas s'attribuer des droits, le reconnaître à l'autre. Quand on me dit la liberté d'expression, la liberté de presse, ce n'est pas que vous ayez une presse dans laquelle vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est que vous ayez une presse dans laquelle vos ennemis pourront dire le contraire de ce que vous pensez. C'est ça la liberté. La liberté, c'est exactement ce que disait Voltaire ou Montesquieu. Je ne crois pas en vos idées, mais je suis prêt
à perdre ma liberté, à aller en prison, pour que vous puissiez les défendre. Ou même ma vie, qu'il disait, c'est je ça, pense. Oui. C'est ça, les droits de l'homme. Pardon ? Oui, il parlait de même perdre sa vie, plus que sa liberté encore. Donc, Oui. Perdre sa vie, moi, je ne crois pas que je perdrai ma vie pour que l'autre puisse s'exprimer. Ça fait beaucoup quand même. C'est pas exagéré. Ça fait... Bon, peut-être, non, j'en sais rien. C'est ce qu'il disait, mais enfin, quand on lutte pour la liberté d'expression, et là, je suis prêt à perdre ma vie pour la liberté d'expression, c'est non pas pour que je puisse m'exprimer, pour que tout le monde tout puisse s'exprimer. Et surtout ceux qui ne pensent pas comme moi. C'est toujours dit, mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est exactement, vous êtes mariés. Il faut comprendre, messieurs les maris, que chaque matin que Dieu fait, il faut que vous séduisiez à nouveau votre épouse, votre partenaire. Sinon, ça ne marchera pas. Un jour, ça ne fonctionnera plus. Même chose pour les dames, je pense que... C'est... Mais, bien sûr, même chose pour les dames, voilà. C'est indiscutablement pour les dames. Seulement que les dames, elles peuvent s'en passer de l'homme, et l'homme ne peut pas s'en passer de la dame. Ah, ça, à vérifier. À vérifier. Enfin, moi, je suis persuadé de cette thèse-là. Parce que quand une femme s'en va, elle est partie pour toujours. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne faites pas d'illusion d'attente. Vrai, donc, il faut la retenir, il faut tous les matins essayer de la retenir. C'est pas assez joué, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, il faut reconnaître à autrui les droits que vous voulez vous attribuer à vous-même. C'est ça la grandeur de l'humanité. D'où c'est votre combat politique, justement, que peut-être, est-ce que ça fait partie, on va évoquer ça tout à l'heure dans une ou deux questions par rapport à votre combat politique. Est-ce que c'est l'une de vos motivations en politique? Oui, non, je en politique, je suis... Je... De donner cette liberté aux citoyens, cette démocratie, de l'imposer, parce que vous êtes battu, votre fils est en prison, vous risquez votre vie au quotidien et vous ne voulez pas quitter le territoire marocain. Vous avez dit, je ne suis pas né au Maroc, mais je vais mourir au Maroc. Vous l'avez dit dernièrement. Vous quand même, il y a quelque chose qui vous anime, voilà, qui est presque, comment dire, de compassionnel déjà par rapport aux Marocains, et c'est pour ça que vous êtes certainement apprécié par la population et peut-être détesté par les dirigeants, certains dirigeants, ceux qui ont le pouvoir. On voit quand même que vous êtes animé par une passion qui est l'autre, qui est l'humain, de le voir libre, peut-être. C'est ce qu'on... C'est gentil. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, mais on vous écoute. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Eh bien, croyez-moi, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas par générosité. Je crois à la liberté parce qu'il n'y a pas une autre solution que la liberté. Ce n'est pas un choix que je fais entre la liberté et écraser l'autre. La liberté est la seule solution. C'est la seule voie qui vous mène au plein le total développement de tous ne peut être acquis que par le plein épanouissement de chaque individu. Je n'ai que faire des gens analphabètes. Je n'ai que faire si mon entourage sont tous des mendiants ou des pauvres, ou des gens sans ambition et sans possibilité. Qu'est-ce que je gagne à avoir autour de moi des nécessiteurs? J'ai besoin d'avoir des gens prospères parce que j'ai profité de leur prospérité. J'en profite. La liberté, c'est la seule solution. Ce n'est pas un cadeau que je donne aux gens. C'est la seule solution. S'il n'y a pas la liberté de commercer, s'il y a le monopole, le monopoliste va nous écraser, va nous vendre en pièces détachées, va nous vendre en viande hachée. C'est pas parce qu'il est gentil ou parce que je suis gentil. Parce que le seul moyen qu'il y a d'avancer dans l'univers, c'est la liberté. Et d'abord, je le répéterai toujours, c'est les libertés économiques et sociales avant les libertés politiques. Nous l'avons toujours dit parce que le protocole international des droits économiques et sociaux est arrivé avant le protocole
universel des droits politiques. Il nous faut tuer le capitalisme, il nous faut tuer le monopole, il nous faut tuer les avantages économiques qui donnent des préférences à l'un au détriment de l'autre. Il faut qu'il y ait la liberté et il faut que cette liberté nous garantisse l'égalité. Le plus intelligent, le plus capable, le plus doué, le plus expérimenté de nous, il va avancer. Et s'il avance, il fait avancer la locomotive. Et si la locomotive avance, les wagons qui sont derrière vont avancer. Qu'est-ce que vous gagnez à avoir une population de malades, des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui risquent de vous contagier, qui sont pleins de virus et de maladies contagieuses? En quoi ça peut vous arranger? C'est pour cela que je veux une santé publique efficace et je veux même une santé préventive. Parce que c'est le seul moyen que je puisse garantir que si mon fils, en allant à l'école, il ne va pas tomber malade. Pourquoi voulez-vous qu'un gars puisse prendre des petits déjeuners à 100 000 ou à 10 000 ou à 5 000 ou à 1 000 euros par jour? Il n'a qu'à prendre un petit déjeuner à 22 ou à 10 euros ou à 5 euros. Et le reste, c'est pour les déjeuners des autres. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des gens qui aient des avions particuliers, qui en ont même deux ou trois ou quatre? Sauf si c'est pour faire des affaires, je comprends, pour enrichir le commerce, qui ont payé des impôts parce que ça va avancer. Ou vous avez un avion particulier et les autres, ils vont pieds nus. C'est exactement comme j'ai dit aux Européens. Mais cessez de rêver. Vous ne pourrez pas un jour arrêter l'immigration clandestine, sauf si les pays de l'Afrique se développent. Autrement, ils vont entrer en Europe, que vous le vouliez ou non. Non seulement parce que vous êtes plus riche, non seulement parce que vous êtes plus libre, non seulement parce que vous avez la justice, non seulement parce que vous avez la santé, mais en plus, et c'est ça le comble, c'est que vous êtes en plus beau. Et merde, si au moins vous étiez moche, personne n'irait vous voir. Mais en plus, vous êtes beau. Et vous voulez que nous, on reste dans la misère, l'ingratitude, la maladie, le chômage, le sous-développement, ce n'est pas possible. Mais cessons de rêver. Le seul moyen que j'ai de défendre ma liberté, c'est grâce à vous qui croyez à la liberté et qui avez dénoncé ce qui est arrivé à Ouaïba et ce qui m'arrive. Sinon, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir la crédibilité que j'ai au Maroc, ni la popularité dont je bénéficie au Maroc. J'espère que quelqu'un m'entend. Oui, on vous entend, on vous entend tout à fait. Non, vous m'écoutez, qu'ils n'ont pas coupé le wifi au Maroc et que je ne suis pas en train de prêter dans le désert. C'est vous, la vérité, l'équivalent, notre correspondance, c'est l'égalité. C'est l'égalité des chances. Nous devons avoir un enseignement public très bien organisé et efficace. À quoi ça vous sert d'être entouré d'ignorants? Justement, une question de Hassan Saint-Germain qui va dans votre sens du questionnement par rapport à ce sujet. Alors, il dit, pour qu'il y ait une liberté économique, il faut qu'il y ait une justice, sinon ça tombe à l'eau, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah oui. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir, tout est pipeau. Et au Maroc, du moment qu'il n'y a pas de justice, rien ne marche. Tout est pipeau. Donc, vous pensez que c'est la base, les racines du mal sont du côté de la justice, quelque part, au Maroc? C'est la base du développement. Écoutez, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Actuellement, il y a l'arbitrage. Les grandes puissances, les grandes sociétés, les grandes affaires, ils vont à l'arbitrage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. Même pas en Europe, ils n'ont pas confiance. Alors ils ont inventé la justice privée, qui s'appelle l'arbitrage. On se met d'accord tous les deux sur le projet, on se met d'accord sur les faits, on se met d'accord sur la loi appliquée, et on se met d'accord sur le juge qui va nous juger. C'est ça l'arbitrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes affaires en matière économique et en matière financière ne font pas confiance à la justice, ne font pas confiance à l'homme que l'État
à désigner comme magistrat, comme juge. Voilà ce que veut dire l'arbitrage. Très bien. Et alors, si vous n'avez pas de justice, maintenant dans le domaine des libertés, de la criminalité, des affaires sociales et tout ça, si vous n'avez pas de justice, ça ne pourra pas marcher. Je ne peux pas vivre dans une société où on risque un jour d'abuser de moi ou de mon épouse ou de mon enfant. Comment je vivrai toujours sous l'angoisse, sous une épée d'Amoclès, sur l'injustice qui peut s'abattre sur moi d'un moment à l'autre. Quand je vous dis que je suis pour la justice, c'est pas parce que je veux faire le bien aux autres et que les autres ont droit à la justice et qu'il faut que je leur donne la certitude qu'ils vont être reconnus dans leurs droits, dans leur personne, dans leur physique et leur intégralité. Non, je l'avais pour moi et mes enfants. C'est en vous reconnaissant, vous, le droit à la justice, je me le reconnais à moi et aux miens. En créant des mécanismes qui empêchent la justice d'abuser. Et à l'injustice de s'implanter. Je ne le fais pas pour vous, je ne le fais pas par générosité humaine. Je le fais pour moi, par égoïsme. Cessons de nous mentir. Comment vous expliquer les choses qui sont tellement claires? Claires, tout est clair. Seulement l'homme essaie de se mentir. L'homme essaie de se mentir dans la vie. Cessons de nous mentir. On ne travaille pas pour les autres, on travaille pour soi. Justement, on va aborder... Si je vous dis... Je vous en prie, allez-y. Si je vous dis que je crois à la liberté parce que je veux en profiter, je suis un salaud. Je crois à la liberté pour que vous puissiez profiter. Et pourquoi je crois à la liberté pour que vous puissiez profiter? Pour que vous puissiez me défendre le jour où il y aurait une injustice sur moi. Pour que vous aussi, vous me rendiez la monnaie de ma démarche en disant, nous aussi on te reconnaît à toi la liberté. Il faut qu'on te la reconnaisse mutuellement. C'est démissionné, il faut pas oublier, quand j'étais ministre des droits de l'homme, parce qu'une campagne d'assainissement, vous mettez des innocents en prison, ou alors s'il y avait des procédures, même si c'est pas des innocents, si la procédure est irrégulière, vous n'avez pas le droit de mettre des gens en prison, sauf si la procédure est régulière, si elle est établie dans les normes de la justice, et que les preuves n'ont pas été arrachées par la torture ou par la force, mais que les preuves sont des aveux spontanés des individus. Mettons-nous bien d'accord, aujourd'hui dans le monde, on vous dit, on veut un enregistrement de ce qui se passe dans les commissariats pour croire que le gars a parlé librement et spontanément. Sinon, ça vaut rien. Et au Maroc, vous savez ce qu'il y a? Au Maroc, vous pouvez même ne pas signer votre procès-verbal. Ça ne change rien. Ça ne change rien à la force de la preuve. Ils vous disent, si le prévenu ne veut pas signer le procès-verbal, alors vous déclarez qu'il ne veut pas et vous lui demandez pourquoi. Et s'il ne veut pas vous dire pourquoi il ne veut pas signer, vous déclarez qu'il ne veut pas signer. Et ce procès-verbal, il est valable. Ça, c'est de la justice, ça. Ça, c'est du pipeau, oui. Justement, on va discuter en troisième partie de ce que vous pouvez apporter de l'avenir, justement, pour rester encore positif. Il y a beaucoup de questions en ce sens. Je note la question de Saint-Germain et d'autres questions. Et ça sera la dernière partie, la troisième partie. On va parler de l'avenir, on va parler de votre parti politique libéral et on va peut-être un peu plus connaître l'homme et non pas le personnage public, Zien. Donc je vais faire une courte pause comme tout à l'heure de quelques secondes musicales et je reviens vers vous. Maître Zien, je vous rappelle dans quelques secondes, si vous le permettez, si vous le voulez bien, pour attaquer notre dernière partie qui parlera de vous, de politique et d'avenir.
À tout de suite, les amis. Merci. Les amis, on revient dans un court instant et nous parlerons de choses plus positives, des choses sérieuses que Maître Zien peut apporter au Maroc. Je vous attends nombreux. Préparez vos questions car c'est la partie la plus intéressante de ce live. C'est la partie qui parle, qui va parler d'avenir, de futur. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce sujet bien précis, les amis, n'hésitez surtout pas à la noter pour pouvoir la poser à notre invité, Maître Zien. Je reviens dans quelques secondes, une pause courte. Préparez vos thés, chauffez vos cafés, mettez des glaçons dans votre whisky. On revient tout de suite, les amis. Les amis, on est de retour avec Maître Zien. Alors, on vient d'apprendre une nouvelle concernant Maître Zien. Attendez juste un instant. Voilà, on revient sur le live tranquillement. Alors, voilà. On va attaquer la troisième et dernière partie de ce live. Allô? Oui, rebonjour, rebonsoir, très cher maître Zien. On va attaquer cette troisième partie. Durant l'interlude, nous avons appris une nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas comment la formuler en français. La nouvelle vient de tomber. Je ne sais pas si vous êtes vous-même au courant par rapport... Non. Pas. Dunia. Hayat al-Muhamiyin, je ne me rappelais plus du mot... En arabe, Hayat Mohamien a décidé de, que vous ne fassiez pas partie de leur... Je vous l'ai dit. Vous l'avez dit, je oui. Je n'ai pas accepté ma candidature. Pas accepté... On en a parlé tout à l'heure. Oui, donc vous confirmez, d'accord, vous l'avez dit tout à l'heure. Très bien, très bien. Donc c'était juste... Je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit. Et... Réalisez-vous à quel point j'ai expliqué que je voulais me présenter à la présidence de l'association des barreaux du Maroc. Eh bien, ils m'ont dit, monsieur, vous n'allez pas vous présenter. Imaginez-vous la puissance de, ce, de ces intrigants au Maroc, ou même des avocats maintenant. Enfin, c'est triste, c'est triste. Et quelle est la justification, ça, justement? Parce que là, la nouvelle, enfin bon, Dounia semble l'apprendre là tout de suite, mais est-ce qu'il y a une raison La justification, c'est que j'ai fait l'objet d'une suspension d'un an d'exercice de la profession d'avocat et que pour eux, c'est une peine disciplinaire, alors que c'est juste un simple abus qui d'ailleurs n'est pas encore exécuté et qui ne m'a jamais été notifié. Donc, ça ne sert absolument à rien.
En tout cas, vous avez le soutien de tous les abonnés. Tout le monde veut voter PML. Donc, les gens sont avec vous. En tout cas, sur le chat, il n'y a plus de doubab électronique en ce moment. Enfin, là, tout de suite, je ne les vois plus. Alors, on va. Heureusement que les doubles électroniques ne votent pas, alors. Hein. Ne votent pas et ne sont pas intéressés par la politique internationale. Voilà, apparemment. Non, mais ça reste. Alors les gens disent, Pas Monsieur rien. Zien, on a besoin de vous, de gens comme vous. On croise les doigts pour que vous gagniez les élections. Donc on a beaucoup, beaucoup de messages Ça va. d'encouragement. Et il y avait une question, donc là on va vraiment parler, moi je dis, de choses positives, de belles choses. On va parler d'avenir, c'est la partie la plus intéressante du live. C'est la partie la plus intéressante pour tous les Marocains de l'étranger ou du Maroc, parce que leur avenir, surtout au Maroc, on va dire les choses très clairement, est assez sombre. Les Marocains ont besoin d'espoir. Beaucoup, beaucoup voient en vous. L'espérance voit en vous l'espoir. Donc, nous allons prendre les questions des abonnés et je vais vous poser certaines questions concernant le sujet, votre sujet politique, enfin, de votre parti, de vous-même. On va essayer de vous connaître parce que si vous vous présentez, c'est pour être au pouvoir, pour être ministre et peut-être changer les choses. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas votre programme, qui ne connaissent pas l'homme Zien, on va essayer en quelques minutes, peut-être une heure, de vous connaître, de connaître un peu votre programme. Et à l'approche des élections, si vous le voulez, on fera peut-être un live spécial juste pour le programme, très court, une vidéo, pour que les gens comprennent qui vous êtes, ce que vous proposez aux Marocains. Et là, on va essayer de voir ce qui est possible ou pas. Je commencerai par une question d'un abonné, alors Hassan Saint-Germain, qui dit Maître Zien, comment savoir si vous arrivez au pouvoir, ne pas faire comme tous les autres? Et on ne va pas encore se faire avoir. Alors, je vous dis une chose. Si vous êtes sûr qu'en sortant de chez vous, vous ne risquez pas un accident de circulation, le seul moyen qu'il y a d'être sûr, c'est de ne pas sortir et de rester chez vous. Alors, si vous croyez qu'en vous mariant, vous ne risquez pas d'avoir de graves surprises et des tensions avec votre épouse, la seule solution, c'est de ne pas se marier. Et si vous ne voulez pas que votre enfant puisse peiner dans la vie, le seul moyen, c'est de ne pas enfanter. Alors, Voilà, c'est ça la nature humaine. c'est une bonne réponse. C'est Peut-être une oui, bonne peut-être réponse. non. À mon avis, on le peut faire Peut-être mieux comme réponse. que je vous dise, Oui. c'est très simple. Moi, j'étais ministre déjà. Moi, j'étais ministre et j'ai démissionné. Attention, j'ai démissionné. J'ai Justement, démissionné. pour quelle Très simple. raison, Et très à cher maître, l'époque de pour quelle Hassan raison? II. Pour quelle raison? C'est Parce que. un mystère pour des millions de gens, de Marocains, de savoir pourquoi. Non, 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 il n'y a aucun mystère, non. Voilà. J'étais ministre des droits de l'homme et le pape déclenche une campagne d'assainissement. On a commencé à mettre les gens en prison, surtout les gens du Nord, parce que ils vivaient de la contrebande. Hein? Très bien. Et puis, on a commencé à arrêter des gens parce qu'ils étaient inscrits dans des listes d'éventuels trafiquants de drogue. On a commencé à mettre des gens en prison, les uns après les autres. Et bien sûr, les moyens utilisés, les procédures étaient régulières, il y avait des aveux arrachés par la torture, il y avait des aveux préfabriqués. Il n'y avait aucune preuve, il y avait plein de flagrants délits. À l'époque, la matière de la contrebande et du trafic de drogue ne pouvait avoir lieu que dans la flagrance, c'est-à-dire un flagrant délit. On vous arrête avec la marchandise avec vous en essayant de la faire passer soit les frontières, soit sur le territoire marocain. Là, il y avait la flagrance, vous comprenez? Là, Tout à ils fait. ont voulu arrêter des gens et les questionner sur leur passé, comment ils ont fait fortune, et patati patata, et leur arracher des aveux.
J'étais ministre des droits de l'homme. J'estimais que cette procédure est irrégulière. J'ai envoyé des ordres à tous les procureurs en tant que ministre des droits de l'homme en leur disant que s'ils n'arrêtaient pas cette campagne d'assainissement, j'allais les assigner en justice pour toute irrégularité. Hein. Ça a créé un grand scandale. Mmh. J'avais un ami qui était directeur de l'information à 2M et qui aujourd'hui est directeur de la chaîne Amazigh. C'est une chaîne d'État. Et je lui ai demandé de m'inviter à sa chaîne pour me poser des questions sur la campagne d'assainissement. Et quand je suis arrivé chez lui et que le journaliste m'a posé la question directe après le journal de midi, je lui dis, ce qui se passe au Maroc est un scandale. Si ça ne s'arrête pas, je vais quitter ce gouvernement. Ce qui se fait est irrégulier et c'est totalement en violation des droits de l'homme. Mmh. Ça a été un super scandale dans le pays. Et donc finalement, j'ai démissionné. C'est-à-dire que j'ai demandé à Feu Hassan II soit de me confirmer dans mes fonctions de ministre des droits de l'homme et que cette reconfirmation me reconfirme vaut accepter mes déclarations à la télévision, c'est-à-dire que la campagne était régulière, soit vous me nommez ailleurs si je peux vous encore vous servir, soit décider de mon sort autrement. Hassan II m'a répondu par l'intermédiaire de son conseiller Driss Lewy, qui était son conseiller politique de l'époque, qu'en ce moment, le meilleur endroit où il pouvait me nommer, c'est de rester chez moi. Et je suis resté chez moi, et c'est comme ça que ma démission a eu lieu, avec, je lui serai éternellement reconnaissant à Hassan II, avec un grand communiqué de la maison royale, non pas du cabinet royal, de la maison royale. Parce que les communiqués de la maison royale émanent de la personne du roi, dans lequel ce communiqué avait dit que, prenant volonté de Maître Zien de quitter le gouvernement, Sa Majesté se voit forcée de l'accepter en lui reconnaissant tout ça et ça et ça, et en lui garantissant de son amour, sa générosité et sa protection. Et je suis rentré chez moi, voilà comment ça s'est passé. Enfin, quelques mois après, Hassan II a fait un discours en disant que j'avais raison, et il a gracié tous les prisonniers de la campagne d'assainissement. Voilà comment ça s'est soldé. Voilà. C'est ça ma démission. Donc, pour vous dire, c'est pas je serai ministre, peut-être, bon, je n'étais pas premier ministre, je ne sais pas si je suis premier ministre, peut-être que je m'accrocherai au siège, ou peut-être non, peut-être je démissionnerai, ou je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Moi-même, je ne peux pas me garantir. Il n'y a que Dieu pour moi, qui suis très croyant, qui sait ce que je vais advenir pour les années à venir, hein, ou si je continue à vivre ou non. Donc ça dépend tellement des choses que j'ignore et de la volonté de Dieu que je ne sais pas. Tout est possible. Nous avons une histoire, enfin votre histoire, vous concernant ce sujet, que tout le monde sait que vous avez démissionné, que vous êtes, je pense, le seul ministre marocain ayant démissionné de ses fonctions, mais très peu de gens connaissent la raison. Et je vous remercie de nous l'avoir indiqué. Ceci est un fait historique. Alors, Dounia nous dit, 2020, maintenant c'est pire. Un YouTuber passe 3 ans de prison pour rien. R.I.P. Hassan II. Voilà, donc c'est le commentaire de Dounia par rapport à l'ère de Hassan II qui était, c'est vrai, différente, on va dire. Alors, nous allons continuer notre entretien par rapport
à des questions justement politiques, car vous êtes avocat, mais aussi un homme politique donc qui va se présenter aux élections. Ma question, on va parler un petit peu de la monarchie sur deux questions. La première, est-ce que vous aurez, vous pourrez créer du mouvement, du changement, en sachant que les pouvoirs sont, d'après Dossier marocain, aux mains du roi. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un homme politique comme vous de pouvoir créer un petit peu le changement, la différence, malgré le système, la constitution, qui dit clairement que tous les pouvoirs sont aux mains d'une seule personne, la personne du roi? Voilà, c'est-à-dire la Constitution, elle est claire, elle donne des prérogatives au roi, elle donne des attributions au gouvernement. Il faut tout simplement que on respecte les attributions du gouvernement. Il n'y a aucune raison de ne pas croire que le pouvoir réglementaire n'appartient pas au gouvernement. Tout le pouvoir réglementaire appartient au gouvernement. Et le pouvoir législatif appartient à la Chambre. Et pour être chef du gouvernement, il faut avoir une majorité dans la Chambre. Donc cette majorité, c'est clair, il y a une priorité du pouvoir législatif sur l'exécutif, incontestablement. Il faut que chacun de nous se limite à ses attributions. Voilà. Ni plus, ni moins. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, il sait, bon, le roi nomme les membres du gouvernement, je veux bien, mais il les nomme sur proposition du chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement est nommé par Sa Majesté le roi au vu des résultats électoraux. D'accord, donc Bien sûr, vous. peut mettre fin aux conditions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement, hein, sur sa propre initiative, je veux bien, mais si le chef du gouvernement démissionne, alors il faudrait refaire des élections. Donc, la contrepartie qu'aurait un chef du gouvernement, c'est de pouvoir démissionner pour mettre le roi devant ses obligations vis-à-vis de la population. Et moi, démissionner, vous savez, Vous l'avez déjà fait. il faut pas Donc, trop. il y a une marge de manœuvre possible, c'est-à-dire en faut tant que pas trop parti ou gratter. ministre, pour faire évoluer les choses, à votre avis. Donc, enfin, vous avez pratiqué la politique, vous l'avez Alors, vécu, ce vous sont avez. des pouvoirs. Voilà. Alors, le projet, le roi décide avec le Conseil des ministres sur les orientations stratégiques, sur les projets de révision de la Constitution, sur les lois organiques, sur les orientations générales du projet de loi de finances, non pas la loi de finances et ses articles. Sur des orientations générales. Hein. Mais c'est le gouvernement qui décide dans le projet de loi de finances qui concerne les articles, les orientations générales. Bien sûr, s'il va faire la guerre, il va dire, j'ai besoin d'argent pour armer mon armée. C'est autre chose. Mais je vois pas comment le gouvernement va lui dire non. S'il y a une loi d'amnistie, si le Parlement veut faire une loi d'amnistie, il faut que le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le roi, l'accepte. Mais le roi a son droit de grâce qui n'a rien à voir avec la loi d'amnistie. Hein. C'est le roi, c'est le Conseil des ministres qui décide la déclaration de l'état de siège, la déclaration de guerre. Et c'est sur l'initiative des ministres concernés que le roi, hein, nomme le Wali Bank al-Maghrib, les ambassadeurs,
les walis, les gouverneurs, les responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, donc ce Hammouchi, c'est sur initiative du chef du gouvernement et sur sa proposition. Tout, après, toutes les routes vrai, mènent à Rome, tous les destins mènent à Hammouchi. Oh là là, ça, il sautera bien avant, hein, je l'espère. Ainsi que les responsables des établissements et entreprises publiques stratégiques. Si je peux me permettre, Maître Zienne, imaginons le scénario où vous êtes aux commandes. Quelle serait votre relation avec M. Hammouchi? Quelle pourrait être votre relation? Est-ce qu'une collaboration serait possible? Ou comme a fait précédemment, on fait des chefs d'État qui ont géré des pays ensemble. Je pense à Mitterrand, à Jacques Chirac en un certain temps. Mais est-ce que vous-même, malgré les griefs que vous partagez, que vous avez contre ou avec M. Hammouchi, est-ce qu'une collaboration est possible si vous faites partie de ce gouvernement? Car le scénario est possible, vous vous présentez aux élections, il est très possible que vous soyez Premier ministre du Maroc. Quelle serait votre réaction? Alors, on va juste se mettre d'accord, tout est possible. Voilà. Si vous avez un moment, je vous dis. La Direction générale de la Sûreté nationale n'est pas une institution constitutionnelle. C'est une simple direction à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Et la direction de la sécurité du territoire, la DST, n'est qu'une simple sous-direction, à l'intérieur de la Direction générale de la sécurité nationale. C'est par arrêté du ministre que cette direction est peut-être créée, et par un autre arrêté, elle peut être dissoute. Alors il faut se mettre bien dans la tête. Je proposerai le lendemain le nom d'une dizaine de grands cadres de la sécurité à proposer à Sa Majesté pour que dans le premier conseil des ministres, le conseil puisse adopter d'autres nominations que celles qui existent actuellement. Et rien à faire. Sur ça, je suis catégorique. Il ne siégera pas à la DGCN et à la DST, si je suis chef du gouvernement. Ce genre d'individus n'ont rien à faire à côté de moi, ni devant moi, ni derrière moi, ni à côté de moi. J'ai pas besoin de lui pour convaincre la population de me servir de garde-fou et de se contrôler mutuellement et de me dire tout ce qui se passe et de me dire où se cachent les délinquants. J'ai confiance dans ce peuple-là qui aurait eu confiance en moi, et c'est sur le peuple. Moi, je crois, vous savez, en Angleterre, si une dame en retraite, de sa fenêtre, elle voit qu'il y a une voiture qui est restée stationnée plus de 24 heures, elle appelle la police. Elle lui dit, s'il y a une banque qui se vole, et que qu'un citoyen voit de l'agitation particulière là dans le quartier qui avait pas, il avertit la police. Par erreur ou pas par erreur, c'est pas grave. Il avertit. Il faut, sans l'adhésion de la population, il n'y a pas de sécurité. Je sais pas comment vous expliquer. Les gens croient que la Direction générale de la Sûreté nationale est importante. Elle n'est pas plus importante que la Direction de la santé. Elle n'est pas plus importante que la Direction de l'enseignement primaire. Elle n'est pas plus importante que la Direction des conflits sociaux. Elle n'est pas plus importante que la Direction de la prévention sanitaire. Elle est le dernier. Vous croyez qu'on peut atteindre la pleine sécurité dans l'ignorance, le chômage et l'analphabétisme? C'est par l'enseignement, c'est par la conscience, c'est par la presse, c'est par l'information, c'est par l'éducation, c'est par l'école que vous créez le citoyen. C'est pas à travers la porra, j'allais dire, c'est pas le bâton du policier, mais c'est fini cette histoire-là. Ou les films pornographiques, quand on éduque la situation. Les films pornographiques, puisqu'on en parle quand même. Et ça suffit. Tout ça, c'est du pipeau. Sadia nous dit, Monsieur Zienne, si vous arrivez au pouvoir, entourez-vous de jeunes,
car il y a toujours les mêmes voleurs, les mêmes têtes, au fait, qui s'accrochent à leur siège pour ne Non, pas perdre non, les avantages. Moi, je pense que c'est pas qu'une question de jeunes, mais de bonnes personnes, de bonnes personnes. Le jeunisme n'a jamais voilà, moi, sauvé un pays. vous avez dit que je suis un homme imbu des droits de l'homme. Je ne mettrai pas comme différence ni le sexe, ni l'âge, ni la couleur, ni l'origine. Je prendrai des gens d'expérience. Tout à fait. Et si je suis obligé de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ce sera à condition qu'il soit épaulé, secondé par des gens d'expérience. Que les gens d'expérience, il faut qu'il y ait l'expérience et les gens d'initiative. Parce quel est le problème? Bien sûr, un jeune marchera plus vite qu'un homme âgé. Sincèrement, il y aura la dynamique, on en a besoin. Les jeunes, ils vont plus vite. Seulement le vieux ou l'homme âgé. Le problème, c'est que lui, il connaît le chemin et risque d'arriver avant le jeune, même si le jeune aura couru plus vite que lui. Il faut connaître, il faut savoir, il faut avoir de l'expérience. C'est le critère. C'est femme, homme, grand, petit, gros, mince, vieux, jeune, c'est secondaire. Croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause. Très bien, on va avancer sur ce sujet-là encore. On va parler de la monarchie. Encore une dernière question sur la monarchie. Pour rester sur cette thématique, pensez-vous qu'une réforme de la monarchie est souhaitable? L'exemple du Japon, de la Malaisie, de l'Espagne, de l'Angleterre sont souvent cités comme des exemples concernant une évolution positive, voire même révolutionnaire, du système monarchique. Pour le cas du Japon, il s'agit d'un empereur, mais c'est tout comme. Pensez-vous que cela est possible ou souhaitable au Maroc? Voilà, je vais vous dire des choses telles qu'elles sont. Et là, je citais Feu Hassan II. Pour moi, c'est toujours une source d'inspiration. Il avait dit au Parlement français un jour, et je crois qu'il s'adressait à François Mitterrand, je vous déconseille d'utiliser une portion de cheval pour soigner un enfant. Si un enfant est malade, vous ne pouvez pas lui donner un médicament qu'on donne aux chevaux. Parce qu'au lieu, au lieu d'aider l'enfant à se soigner, vous allez le tuer. Et moi, j'ai une autre expression à moi. N'utilisez pas un marteau pilon pour casser une noix, parce qu'à la base, vous n'allez trouver plus rien. Quand vous l'aurez cassé, il n'y aura plus rien à manger. Croyez-moi. Croyez-moi. Je ne peux pas sauter du régime monarchiste actuel au régime impérial japonais. Pas du tout. Mais que la monarchie doit évoluer au son et au rythme de l'éducation, de la généralisation de l'emploi, de la prise de conscience de la population, de l'évolution morale de la société, de l'acquisition de certaines certitudes, de l'acquisition de certaines fidélités, de l'acquisition de certaines stratégies, étape par étape, la monarchie évoluera obligatoirement. Ça va prendre un siècle, ça va prendre un siècle et demi. Ça ne me regarde pas, nous allons le supporter. Et je l'ai toujours dit, quel que soit le coût de la monarchie, nous le paierons. Parce que rien ne vaut la sécurité. Mais une sécurité qui permet le plein emploi, le développement, la culture, l'enseignement, la santé, l'épanouissement, la prospérité. Mais si vous me parlez d'une sécurité, pour être enfermé chez moi, ou pour qu'un policier me casse, me donne des paires de gifles ou des paires de Pour que vous bottes, soyez ou filmé dans un hôtel. pour que je sois filmé dans un hôtel auquel je n'ai pas été, dans lequel je ne suis pas entré. Enfin, tout ça, c'est secondaire. Voilà, enfin, Cet hôtel, ce nous n'est tous rien. Marocains J'ai pouvons être changé à ma... filmés dans un Oui, hôtel. quoi? J'étayais justement votre exemple. Je vous en prie, maître Zien. Non, non, oui.
j'ai compris, je vous ai compris. D'abord, le problème, c'est que le directeur de cet établissement, c'est lui, est un ami à moi. Et il me doit. Qu'est-ce qu'il me doit? Ni lui, ni le proprio. Oh, oh, oh. Parlons-en, parlons-en. Allez, qui roule, oh, je ne vais pas le dire. Ça, c'est ça le comble de l'affaire. C'est pour ça que je crois qu'il ne savait pas ce qui se passait. En tout cas, il ne pouvait pas savoir que cette caméra allait servir pour enquiquiner Maître Zien ou pour l'influencer. C'est quelqu'un qui va toujours exprimer une grande amitié, une grande admiration, une disponibilité à voter pour moi, à se sacrifier pour moi. La LOI, il y a l'hôtel Théolis de Salé. Dounia demande, on voudrait bien revenir vraiment au sujet, car bon, le fait divers est important en soi, mais l'avenir du Maroc, de votre parti, de vous-même, des Marocains, est quand même suprême. Oui, bien sûr. Dounia demande, la sécurité existe au Maroc. On a aussi une question par rapport à la parité. Est-ce que de Roca Levasseur, une abonnée à nous, fidèle, qui demande, est-ce que si vous êtes au pouvoir, est-ce qu'il y aura plus de parité homme-femme? Est-ce que la sécurité existe réellement au Maroc? Donc, c'est deux questions différentes, mais qui sont liées par rapport à ce qui existe dans notre pays, au Maroc. Pour la parité, il faut avancer à pas de géant. C'est pas certain, mais avec un minimum de vitesse pour qu'on puisse l'atteindre le plus tôt possible. Je considère que le Maroc aura atteint la parité quand 40% des postes seront occupés par des femmes. Minimum 40%. En attendant, tant qu'on n'aura pas atteint les 40%, il ne faut pas croire qu'on a fait un miracle. Une fois qu'on aura dépassé les 40%, à ce moment-là, on peut dire, ouf, nous avons atteint la parité, maintenant que chacun se débrouille, et si les femmes deviennent 70%, tant pis pour les hommes, et si les femmes descendent, stagnent à 40%, tant pis pour elles, mais j'y crois à la parité, et je crois à l'intelligence de la femme. Le problème est celui-là. Je suis un homme ébloui par la femme. Je suis un homme totalement acquis à la cause féminine. Je ne vois pas de solution sans la femme. Je suis en admiration devant cet être qu'est la femme, parce que Dieu l'a créé beaucoup plus parfait que l'homme. Vous savez, si sincèrement l'humanité devait se faire par procréation virile, c'est-à-dire par procréation de l'homme, si l'homme devait tomber enceinte, mais il n'y aurait plus d'homme, je peux vous assurer qu'il n'y aurait plus de naissance. Je vous jure qu'il n'y aura plus de naissance sur Terre. Si pour aller à l'école, ça dépendait des papas, il n'y aurait plus d'école. Et à la moitié des gens arriveraient en retard. La seule qui peut se réveiller tôt et se laver dans le froid et préparer son petit déjeuner à l'enfant pour l'amener à l'école et venir réveiller son époux, c'est la femme. L'homme ne le fera pas, c'est très peu. Quand je dis le fera pas, c'est pas les 10% ou les 20% d'exception. Mais la femme, c'est à 90% qu'elle est disposée, disponible. Si l'homme, en rentrant chez lui, devait travailler comme travaille la femme, ce serait la catastrophe. Il n'y aurait plus de travail. Il n'y aurait plus de travail, il ne le fera pas. Et pourtant, je sais pas, tous mes enfants sont des très bons cuisiniers, font la cuisine mieux que les femmes. Moi, je la fais pas, je ne sais même pas à quoi ça sert l'huile d'olive par rapport à l'huile d'arachide. Mais je vous jure, bon, il se peut que de temps en temps, un de mes enfants, ils sont nombreux, aide la mère quand ils ont l'envie de quelque chose de particulier. Mais la femme le fait tous les jours. Quand elle rentre chez elle, c'est un deuxième emploi. Moi, j'étais une fois au Canada et j'ai vu en admiration une dame dans la neige, le froid, dans l'autobus, avec son enfant qu'elle venait chercher de l'école et partir. Et je la voyais courir et je me disais, waouh, la Marocaine, elle devait sortir à moins 10 degrés.
chercher ses enfants et courir pour aller chez elle, préparer à Zeni le repas et sortir le matin pour aller travailler. Pff, la Marocaine n'aurait pas fait. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de femmes. Jusqu'au jour où j'ai trouvé des femmes marocaines qui font plus et mieux. Et là, je me suis dit, la femme marocaine, c'est l'avenir. Croyez-moi, elle doit donner l'exemple, elle doit imposer à l'homme de faire de même. De se réveiller, de prendre ses responsabilités, de s'arrêter d'aller au café, de militer, de s'occuper de ses enfants, de leur école, des machines, s'ils ont des machines à laver, des machines à s'occuper de surveiller tout ce qui est l'électricité, l'eau, la plomberie. Tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer les choses, mais parce qu'on a écrasé la femme qui représente 50% de cette population et peut-être même plus, et qu'on a cru que c'est un être de deuxième classe, et la preuve, c'est ce qui arrive à Ouaïba, parce qu'on a méprisé la femme. Tout à fait. On a totalement méprisé la femme. Je vous jure que si le préfet était femme, hein, et qu'un homme aurait osé l'harceler, eh ben, il aurait passé des mauvais quarts d'heure. Ou, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. La femme est l'avenir de l'homme, tout simplement. Maître Ziyane, on a compris votre attachement à la gente féminine par rapport à la parité, parce que les femmes souffrent au Maroc, ça c'est vrai, souffrent de... On peut retrouver dans... La parité ne veut pas dire 50-50. Mm-hmm. Quand vous avez à choisir entre deux gars, vous prenez celui qui est le plus expérimenté, le plus honnête et le plus valable. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas écarter la femme et lui donner toutes les chances pour qu'elle puisse se réaliser dans sa plénitude. On espère ça pour la femme marocaine. Du respect pour la femme. Ça suffit de croire que c'est une baignoire ou là c'est un je sais pas quoi. Faut du respect pour la femme. Soit garantie. Oui, aucun. Je vous assure, personne. Je vous assure, vous devriez faire une émission là-dessus. Oui, je vous en prie. Personne ne se pose la question de savoir. Que peut souffrir une femme veuve au Maroc? Je ne parle pas des divorcés. Je parle des femmes, une femme veuve. Mm-hmm. Son mari disparaît. Vous savez qu'est-ce qu'elle a à souffrir et en pâtir dans les administrations, dans la vie au quotidien, dans les relations non libres de la vie en société? Mais imaginez, vous n'avez aucune idée de ce que peut souffrir une femme en silence tous les jours. Et en plus de ça, on vient. Enfin. Les choses étant ce qu'elles sont. Concrètement aussi, par rapport à votre parti, mais vraiment là rapidement, est-ce que vous avez des propositions par rapport à la parité, tout simplement, mais vraiment rapidement, juste est-ce que vous pensez faire voter des lois par rapport à la parité? Et aussi une question, avant que je reprenne mon questionnaire des abonnés qui est revenu souvent, là, tout de suite, sous mes yeux, qu'allez-vous faire pour les Marocains de l'étranger? Donc, c'est vraiment une question qui est revenue durant tout le live et qui s'impose d'elle-même ici sur le chat de plusieurs Marocains apparemment vivant aux quatre coins du monde. Donc, pour la parité, est-ce que vous avez une loi précise que vous voulez proposer ou une idée? Et surtout, par rapport aux Marocains de l'étranger, qu'est-ce que vous proposez aux Marocains de l'étranger? Alors, pour la femme et pour réussir la parité, il faut obligatoirement que nous ayons deux nouveaux ministères. Le ministère de l'enseignement rural,
totalement indépendant et avec son autonomie financière et sa personnalité juridique indépendante de ce que le ministère de l'enseignement urbain. Parce que si jamais on développe l'enseignement dans les campagnes, dans le monde rural, ça va nous amener une masse de gens formés, de femmes capables, parce qu'on obligera à ce moment-là obligatoirement à ce que les femmes aillent à l'école. Et à ce moment-là, les mariages dans la campagne vont se passer autrement. Les relations vides de campagne vont changer. Les relations à l'intérieur de la famille vont changer. Parce qu'il faut, faut comprendre ça. Et c'est très important si on arrive à convaincre que l'enseignement dans le monde rural doit être indépendant de l'enseignement dans le monde urbain et que la paye, le salaire de quelqu'un qui travaille dans le monde rural doit être plus important que celui du monde urbain parce qu'il souffre, parce qu'il y a des difficultés. La même chose pour la santé. Et quand nous aurons une femme rurale, hein, qui en particulier sont toutes très belles, parce qu'elles sont très naturelles, en bonne santé et avec un grand bagage intellectuel, vous allez voir comment le monde, le Maroc rural va se développer avec une rapidité, avec une énergie, que nous n'aurons pas les possibilités d'un Maroc d'aujourd'hui, mais nous aurons les mêmes possibilités du Maroc d'aujourd'hui multipliées par 4 et par 5. Et je ne blague pas, parce que cette idée, je l'ai eue lors de la privatisation, et surtout de la privatisation de Tissalat al-Maghrib. Je leur dis, privatiser, non pas en apportant une ligne, apportez 3, apportez 4, et prenez cet argent de la privatisation des télécommunications et obligez-vous à les investir dans le monde rural. Et nous aurons 2 Marocs au lieu d'avoir 1 Maroc. Et si on avait 2 Marocs, on aurait 2 possibilités, 2 richesses, 2 rentrées de fiscales, rentrée de ressources humaines, on aurait éclaté. Je serais pour moi du monde rural est énorme. Il n'y a pas de possibilité sans le déclenchement de l'épanouissement de chacun de nous, individu par individu. Un. Et c'est pour cela que une des grandes doctrines du Parti marocain libéral, c'est qu'il n'existe, il n'y a aucune politique qui justifie d'abuser de la liberté. Aucune injustice, aucune répression ne peut justifier qu'on touche à la liberté d'un citoyen, un citoyen marocain. Et comme a dit Omar Khayyam, un est le premier chiffre d'un nombre qui ne finit jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 7, jusqu'à l'infini. 1 est le début de l'infini. La liberté d'un individu, d'un citoyen, est plus importante que n'importe quelle autre politique. Aucune politique ne vaut la liberté d'un citoyen marocain. Ça, c'est pour ce qui est de la femme. Et croyez-moi... Je pense que toutes les femmes du chat veulent retourner au Maroc, parce qu'on est beaucoup suivi par la communauté francophone à l'étranger, pour venir voter pour vous. On reçoit là beaucoup de messages, des cœurs. Nous retournons au Maroc pour voter. Eh bien, allez-y, très bien. En tout cas, votre parole en convaincu. Des Marocains étrangers. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est revenu, non pas seulement aujourd'hui, mais qui revient incessamment dans mes vidéos, celles de Dounia ou d'autres collègues youtubeurs qui parlent de vous. C'est extraordinaire, c'est-à-dire les Marocains de l'étranger. Et puis là, qu'est-ce que vous pourrez leur proposer à ces Marocains-là qu'on a oubliés, je le rappelle, au moment du Covid, aux quatre coins du monde, qui ne pouvaient rejoindre leur pays? Le Maroc n'a fait aucun effort, une honte incroyable. Des gens ont souffert au Sénégal, en Chine, aux États-Unis. Beaucoup ont dormi dans la rue. Nous avons nous-mêmes eu une expérience assez difficile avec l'ambassade. Des papiers ont été retenus, qu'importe. Cela a pris des mois et des mois. Une catastrophe, une tragédie pour certains qui sont morts car ils n'ont pu retourner dans leur pays pour se soigner. Voilà comment le Maroc actuellement traite les Marocains
de l'étranger. Que feriez-vous si vous êtes élu Premier ministre pour ces gens-là qui sont toujours et resteront, comme a dit Feu Hassan II, des Marocains pour toujours et avant tout? Ce qui est pire, je vais vous dire une chose, puisque vous parlez du Covid et les Marocains à l'étranger, c'est que les gens qui avaient traversé pour aller assister au Oblivia, ils sont restés 6 mois ou là 4 mois. Imaginez-vous qu'on aurait pu les prendre, les amener quelque part et les tester, les laisser rentrer chez eux. Et vous savez qu'il y a plus de 8 000 femmes qui traversaient avant tous les matins le portail de Sibtza et de Mlilia pour aller travailler. Non pas amener de la marchandise, ça c'est un autre chose. Travailler, travailler dans des officines, travailler dans des maisons, travailler comme vendeuse et qui rentraient le soir et gagnaient peut-être 400, 500, 600 euros par mois. C'était suffisant pour qu'ils puissent cacher leur misère et sentir un peu de dignité. Du jour au lendemain, ils se sont trouvés désargentés. Et ces milliers de femmes et d'hommes qui traversaient la frontière ne sont pas inscrits à la sécurité sociale marocaine. Donc, ils n'ont pas eu aucune aide du Covid. Je ne veux pas parler de ça, ni de Covid, ni comment ça s'est passé. Ce serait triste. C'est pour ça que je vous dis, il y a avant Covid, il y a après Covid. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont encore jetés à Sibtza-Mlilia parce qu'ils ne peuvent pas passer de Sibtza à Algésiras et rentrer à Tanger parce qu'il n'y a pas de bateau encore. Il faut aller ailleurs. Il faut que de là-bas qu'ils montent à Port-Vendres pour pouvoir rentrer au Maroc. Pour qu'ils aillent à Malaga et qu'ils prennent un avion. Il y a des gens qui n'ont pas de papier. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer un avion. Malaga, Casablanca. À ce jour, il y a des gens qui sont morts. Il y a des femmes qui se sont fait violer. Il y a des gens qui dormaient dans le cimetière. Il y a des gens qui. Pardon? Non, non, je vous écoute. C'était une intervention de Dounia par rapport à ce que vous dites. Voilà. Je vous en prie. C'est affreux. D'abord, ça, c'est le Covid. C'est pas un jour, il va falloir que tout un chacun. Rendre ses comptes. Mais le Parti marocain libéral a été le seul parti marocain qui criait, c'est un scandale, il faut que les Marocains rentrent. Et on me disait, monsieur, ils sont porteurs du virus, tu veux nous tuer, Medzia. Je dis, qu'est-ce que vous tuez, Medzia ne veut pas vous tuer, ces gens-là, c'est des Marocains, vous voulez qu'ils meurent dans la rue ou quoi? Ça va pas, non? Oh, il faut que chaque Marocain accepte à prendre son fardeau de négatif. Tout ce qui est négatif ou tout ce qui est indélicat dans le monde, il faut que chacun de nous l'assume aussi et qu'il le supporte. Très cher Que ça maître veut dire Zien. ça? Hein? Donc, c'est pas, mettez la police dans la rue pour qu'elle commence à cogner sur les gens qui sortent pour gagner leur croûte. C'est ça ce qu'on appelle une politique de je sais pas quoi, Très je sais pas cher quoi, maître de Zien. ah, je sais pas. Nous avons, oui, c'est vrai, on a vu des exemples de citoyens battus pour être sortis dans les rues au Maroc. Et cela est confondant comment dire, de bêtises ou de crétinerie, comme vous avez dit tout à l'heure. Très cher maître Zien, la régie m'informe qu'il reste 10 minutes à notre batterie, car le live intéressant s'est étalé plus que prévu. Alors, il me reste deux questions, si vous pouvez répondre Alors, les Marocains à l'étranger, très les brièvement. Marocains. Je pense que la question des Marocains de l'étranger, est-ce que si vous voulez rajouter quelque chose, mais très brièvement, et j'aurai encore deux autres questions, sachez qu'il reste 10 minutes avant que ça coupe et je voudrais dire au revoir à tout le monde et vous aussi, sans avoir d'interruption. Pour les Marocains à l'étranger, concrètement, est-ce que vous allez proposer quelque chose de concret pour eux, pour que cette situation qui arrive avec le Covid n'arrive plus? Les supplier de rentrer au Maroc s'ils le pouvaient, hein, parce que le problème, c'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'eux, ils vont faire pour nous. Parce que c'est eux qui peuvent sauver le pays. Voilà la vérité, y est dit. Mais est-ce qu'ils veulent rentrer au Maroc? Est-ce qu'ils veulent venir lutter, se sacrifier?
Mais les Marocains à l'étranger, si on a, si, le gouvernement doit apprendre à les encadrer, à leur donner des facilités financières pour qu'ils puissent investir à l'étranger, là où ils sont, pour qu'ils puissent sortir des dortoirs dont ils sont et pouvoir acheter des maisons convenables et propres à l'étranger pour qu'ils apparaissent comme des bourgeois, des citadins, des citoyens de haut niveau. Et ceux qui savent faire de la pâtisserie ou de la cuisine ou n'importe quoi, l'investir pour qu'ils puissent avancer. Ceux qui savent faire quelque chose, lui faire monter de cran et aider la mobilité sociale à l'étranger, ou alors préparer au Maroc des grands chantiers, et nous allons le faire. Très Nous bien. allons le faire grâce à leur expérience et leur savoir-faire et leur technicité. On a besoin de gens qui savent, des techniciens. Et eux, ils ont acquis la technicité à l'étranger. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça, c'est une richesse pour le Maroc. Très bien, maître Ziane. Quelles sont les autres questions Je qu'il vais faut que je fasse? poser les dernières questions très rapidement et j'attends une réponse très rapide. Nous finirons cette émission sur quelques questions plus métaphysiques, plus personnel, plus intime. Alors j'attends vraiment une réponse courte pour pouvoir vous dire au revoir et dire au revoir à tout le monde avant que ça coupe, tout simplement. Alors, dites-moi, très cher maître Zien, votre plus grande angoisse. Ma plus grande angoisse. Tout à fait. Dans la vie, là, on ne Ouais. parle plus de politique. En un mot. C'est de voir. Ma plus grande angoisse, c'est que la justice continue à être dirigée par des magistrats de nos jours. Je vous assure, je me demande. Je vous assure, ma plus grande angoisse, c'est qu'on n'arrive pas à mettre fin à l'injustice dans le pays. Très bien, Parce qu'il y a tout le monde qui va partir. très bien. Votre plus grand rêve. Ah, mon plus grand rêve, c'est de me permettre de m'exprimer et de proposer des solutions au Maroc. C'est tout ce que je veux. Je veux voir mon. Vous savez, j'ai connu un Maroc prospère. Vous-même, vous avez dit que le Maroc, à l'époque, Rapidement, maître représentait le. Zien, nous allons perdre le fil et la connexion et. Je rêve d'un Maroc meilleur. Je rêve que le Maroc devienne celui des années 60 et Ah. 50, c'est tout. Parce que nous avons été forts, nous avons été mieux que le Portugal, l'Espagne, la Grèce, Et la l'Italie. Chine, et la Chine. Enfin, pourquoi ce recul? On va terminer sur votre plus grande fierté, ce dont vous avez été le plus fier dans votre vie. C'est d'avoir pu connaître l'islam et d'avoir pu connaître les écoles coraniques dans les montagnes du Sousse ou de Jbella et d'avoir rencontré Dieu et avoir quitté l'athéisme, le communisme pour son athéisme et d'avoir compris le message religieux et ma grand-mère qui a fait de moi un musulman alors que ma mère a tout fait pour que je sois un catholique. Parfait. Merci infiniment, infiniment, maître Zien. Nous aurons pu, si la batterie nous avait permis, si on avait prévu que le live serait aussi long, continuer encore une heure ou deux, tellement c'était passionnant. On n'a pas vu, nous, ici, le public aussi, le temps passer. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je vous inviterai, si vous le voulez bien, pour une autre partie, pour continuer le débat. Quand les élections prendront forme pour. Concernant les élections. Concernant les élections, oui, ce serait très intéressant. Voilà, un live spécial dédié uniquement aux élections, vos propositions, car les Marocains de l'étranger ont besoin de connaître votre programme en langue française, ce qui n'existe pas Non, sur Internet. Nous sommes les seuls. non, oui, le projet de société libérale au Maroc, oui.
Le projet de société libérale au Maroc en français existe. Non, je veux Nous dire une émission republier. Qui explique le programme en français, car au Maroc, voilà, évidemment, tout est en darija, en arabe, ce qui est normal. Mais pour les étrangers francophones, il y a ce besoin de vous entendre, vous, Maître Ziyen, en langue française, pour être mieux compris par certains, par quelques millions de Marocains éparpillés, la diaspora marocaine. Voilà. Merci infiniment. Je vous remercie de m'avoir donné cette chance de m'exprimer. Merci, merci pour votre gentillesse, merci pour votre temps et votre patience. Et je vous dis à très bientôt, Maître Ziyen. Et merci encore pour votre gentillesse. Et mes salutations à Maître Ali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Ah, voilà, le live se termine. J'ai pu dire au revoir à Maître Ziyen. J'espère pouvoir vous dire au revoir à vous aussi et à lancer le générique. Avant que ça se termine, nous ferons plus attention la prochaine fois pour faire durer les lives plus longtemps, car on n'avait pas prévu de rester peut-être plus de 4 heures. C'était un live extraordinaire avec une personne extraordinaire aussi, en espérant... Très chers abonnés, que vous avez découvert certaines choses que vous ne connaissez pas de Maître Ziyen, qui sera peut-être le prochain Premier ministre au Maroc. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Je ne vous donne pas le sujet, c'est une surprise, une belle surprise, une très belle surprise. Pour Dubab Electronique, je pense qu'ils seront aussi présents la semaine prochaine. Ah, voilà, voilà. Et mes amitiés à tous ces virus qui ont essayé de contaminer le live, ces virus électroniques politisés. Et je vous dis à très bientôt sur Nihao TV. Ciao les amis, bon week-end, prenez soin de vous, de vos familles. À bientôt les amis.